Ça y est, on arrête de te dire des bêtises. Eh bien, bonjour et bienvenue à tous, je suis Franck Payen et aujourd'hui je vous accueille sur la chaîne YouTube Adobe France et je reçois Sabrina Tobal. Salut. Bonjour Sabrina, bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois sur nos sessions, bienvenue donc sur la chaîne YouTube. Vous devriez pouvoir trouver des tonnes de contenus autour des outils créatifs. Ici, spécialement aujourd'hui, Photoshop, mais on a fait des tas de trucs autour de InDesign, Illustrator, Fresco, Premiere, After Effects, Tant Animate, même depuis qu'il ne s'appelle plus Flash. Non, c'est pas Flash. Mais non, ça ressemble. Donc on se parlera de tout ça. Et les sessions qu'on vous propose une fois par mois, les vendredis, ce sont des sessions qu'on appelle Art and Talk, puisque Sabrina va être avec nous pendant une heure et demie à peu près. Bien. Et ce soir, tu donnes encore une session où tu vas raconter un petit peu. Ce sera un peu plus intime, un peu plus différent. Mais bien, voilà. Parce que pas d'intimité enregistrée, filmée. Pas d'intimité, ça se fait pas du tout. Que avec les intimes. Voilà. Donc bienvenue en tout cas aux habitués. Les habitués connaissent un petit peu le format et ont déjà commencé à dire bonjour et à répondre. Pour tous les autres, hein, vous savez que vous avez accès au chat. Du coup, bonjour TMPX, bonne sieste en tout cas. Alexandre, Daniel, Mao, Jean Bûcher, Cracus Olivieu. Ah bah tiens. Touan, ça me Mao, fait plaisir que tu sois là, Olivier. Voilà, il y a plein de gens. Alors, on a un chat, mais en vrai, il est super compliqué pour toi de le lire parce que t'as un écran très haut. Parce que j'ai mon écran, en fait. Ouais, t'as ton écran en forme de maison, c'est mignon comme ça, mais... voilà, je le rabats pendant que je l'utilise pas, puis quand je l'utiliserai, Exactement. Voilà. Mais ouais, il y a mon petit stagiaire, il y a Titouan, salut. C'est ton stagiaire à toi? Ouais, en fait, je m'approprie en fait les stagiaires, même si ça fait 10 ans que vous êtes en stage en fait avec moi, c'est toujours mes petits stagiaires. Oh, en fait. C'est mignon, un peu comme ça. Non, c'est plus maintenant. Ouais. Bonjour Magali. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on va vous parler de plein de choses aujourd'hui, on va vous parler de dessin notamment, de dessin, peinture, painting, dessin. Ouais, surtout beaucoup dessin, mais peinture numérique, mais surtout peinture en fait, voilà. Donc ça va vous permettre de découvrir Sabrina, de comprendre qui elle est, ce qu'elle fait, d'où elle vient, comment elle en est arrivée là, est-ce qu'elle a un logiciel avec lequel elle s'amuse et avec qui elle voue un amour inconsidéré. C'est parce que tu me l'as dit il y a à peu près 17 secondes, c'est parfait. Et Mao a une excuse pour pas bosser, bravo. Ah bah ça me fait plaisir de te servir d'excuse, c'est cool. C'est ça, c'est un luxe de pouvoir faire ce genre de choses. Donc quand on cherche Sabrina sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien en fait vous donner un peu de contenu, comme ça vous savez où retrouver nos artistes, on la retrouve à trois endroits principalement. On va la retrouver sur son ArtStation où elle poste régulièrement donc, les images des projets finis, avec des différents travaux sur le character design, etc. On va en reparler en long, en large et en travers, rassurez-vous. On va parler de son site internet sur lequel on va retrouver une bonne partie de tout ça, plus des infos classiques, CV ou autres. Et puis, pour du... Je sais pas si c'est du quotidien. Est-ce que tu es plus présente sur ArtStation ou sur Instagram? Un peu des deux. En fait, j'ai des fois où je me dis, tiens, je vais poster des trucs sur Instagram et tout, parce que je suis motivée. Voilà. Et puis, des fois, j'y pense pas, en fait, du tout. ArtStation, c'est vraiment pour le côté, en fait, très pro. Voilà. Professionnel et tout ça. Enfin, genre, je mets en fait un peu mes derniers trucs qui sont plutôt classe, voilà. Enfin, qui sont montrables en tout cas pour des professionnels. Après, Instagram, c'est plus en fait un truc. Regardez, j'ai fait une petite croûte aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Là, c'est plutôt qu'est-ce que vous en pensez de mon parcours? Des fois, c'est pour motiver, ou des trucs comme ça en fait. Voilà. D'accord. Et pour ceux qui seraient intéressés, donc la session aujourd'hui a lieu chez Adobe comme régulièrement, et c'est une session qui s'appelle donc Art and Talk avec Sabrina. Donc comme je vous l'avais dit, en deux parties, la partie live qui est enregistrée, que vous pouvez regarder, vous êtes avec nous là maintenant, donc ça c'est plutôt fort sympathique, et il y a un événement dans la foulée sur lequel vous pouvez peut-être encore vous inscrire, il y a des tickets qui sont encore à vendre, je sais pas s'il en reste beaucoup. On va faire croire qu'il en reste plus beaucoup, donc allez-y, c'est les derniers. Ouais, je pense qu'il ne doit plus en rester des masses. Ouais. Par contre, il faut être sur Paris aujourd'hui avant 19h. Sinon, vous ne verrez rien du tout. Et ce sera tant pis pour vous. Vous pouvez arriver en retard, je ne suis pas... Non, vous ne pouvez pas arriver en retard. Je vais arriver en retard. Je t'expliquerai pourquoi ils ne peuvent pas arriver en retard. Parce que c'est fermé. Non, parce que je suis là, moi.
Ah, parce avant. Que t'es là ? Ah bah ouais. Oui, t'es là avant. Ouais, bon, ouais. Arrivé pas en retard, il y a... Il y a Franck avant. Il y a Franck avant, du coup, qui veut vous montrer des trucs trop cool. Donc, faut pas louper ça. Voilà. Merci, tu le vends bien. Merci, je me suis entraînée. Du coup, il y a... Alors, je sais pas comment on dit Franbeg ou Fanbeg, je sais jamais, parce que... Fanbeg. Ah, pour... ouais. Je sais pas, non, qui, je sais qui pas. Qui nous dit, est-ce que la session de vendredi est toujours à la même heure ? Alors, les sessions Art & Talk, en général, oui, elles sont plutôt juste en post-déjeuner, 14h, un petit peu plus. Mm. Ma recommandation, pour tous ceux qui trouvent que c'est sympa, ce genre de choses, vous êtes arrivés sur la chaîne YouTube, Adobe France, vous avez donc le live, vous avez les prochains lives qui vont arriver. D'ailleurs, on a un pixel artiste, Thomas Lynn, qui vient mardi. Ce sont des sessions qui ont toujours des horaires différents. Il y a des sessions à 10h et à 12h tous les mardis, ça c'est sûr. Même si elles ne sont pas encore annoncées, elles sont là, promis. Et les sessions Art & Talk, les sessions un petit peu différentes ont lieu les jeudis et les vendredis. Parfois le matin, parfois l'après-midi. Donc ma recommandation, c'est tout simple, vous venez sur la chaîne et vous vous abonnez. Ouais. Et vous pouvez cliquer pour avoir les rappels. Comme ça, vous aurez des rappels dessus. Si vous avez l'application YouTube, vous devriez retrouver tout ça. Et ça vous permettra de ne pas rater le début. Parce que le début est toujours vachement bien, en tout cas quand vous ne connaissez pas du tout l'artiste. Si vous connaissez déjà l'artiste, non, peut-être pas. Bon, c'est vrai que ce serait con d'arriver en retard quand même, c'est pas sympa. C'est vrai, c'est ça, c'est pas sérieux du tout, non, du tout. Vraiment. Donc voilà. Salut Daniel. Salut. Bah voilà, Daniel, t'arrives très en retard. Il se rattrape avec un gros salut qui dure très longtemps. C'est ça, il faut ce genre de choses. Alors Sabrina, qui es-tu ? Je suis. Bon, bah, on va pas faire les blagues, je suis moi, hein, voilà. Non, on peut pas faire des choses comme ça. Qui suis-je ? Je sais pas, je suis surtout amoureuse du dessin, mais surtout en fait. J'ai toujours adoré écrire des histoires. Mmh. En fait, j'ai toujours aimé inventer des personnages où il se passe des trucs complètement folles, en fait, des choses très 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 fous. Enfin, je sais plus parler français quand il y a une caméra. Ça c'est l'émotion. Oublie cette caméra, oublie le public. Mais j'ai toujours aimé m'inventer plein d'histoires. J'ai dû faire, je sais pas, 6-7 BD différentes. J'ai toujours aimé la BD aussi. J'étais un peu comme pas mal de gens de ma génération, en fait, devant le Club Dorothée. Mm-hmm. Ça a beaucoup aidé. Je suis une amoureuse de Dragon Ball Z, de Dragon Ball aussi. Mais plus Dragon Ball Z, en fait, tu fais partie des jeunes. Génération, je fais partie des jeunes. Mmh. Merci. Et du coup, j'ai pas connu beaucoup Captain Flame et tout ça, c'est un petit peu après sur le retour, enfin voilà. Mais ouais, pour moi, c'était plutôt City Hunter, Saint Seiya, Dragon Ball, Dragon Ball Z, enfin tout ça. D'accord. J'ai aussi découvert un petit peu la BD francophone, enfin francophone, franco-belge, franco-belge, le fameux Torgal. Voilà, c'est. Tu sais qu'on a reçu. Ouais, je sais, vous avez reçu Frédéric Vigneault, mais moi je l'ai croisé un coup à la FNAC, comme plein de gens. Je suis tombée sur Torgal, l'enfant des étoiles. Mmh. Et j'étais pas fan du dessin, en fait, à l'intérieur, vraiment, honnêtement, j'étais pas, comme j'étais très très manga et tout ça, et finalement, en fait, ça a changé, en fait, un petit peu aussi ma façon de dessiner, d'appréhender le dessin, mais c'est surtout, en fait, les couvertures de livres de Rosinski qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, en fait, et qui m'ont toujours inspiré un peu, cette touche peinture et mon amour pour la peinture et tout ça aussi. Tout à fait. Et j'ai été autodidacte jusqu'à 24 ans, à dire. Après, je sais pas, y en a qui en retirent une fierté, d'autres, bon, moi je m'en fous, en fait. Juste, j'avais pas les moyens de me payer une école avant mes 24 ans. Mm-hmm. Donc, du coup, je voulais vraiment, en fait, vivre cette expérience-là. En fait, j'avais pensé un peu à un moment donné à Emile Cole, puis finalement, c'était un peu cher quand même, ça me faisait un peu mal au cul. Et du coup, j'ai trouvé, en fait, une petite école qui est maintenant plutôt assez grosse maintenant, à Chambéry. Du coup, je restais en Savoie, en fait. Mm-hmm. Je viens de Haute-Savoie, en fait, et après j'ai déménagé en Savoie. C'est deux départements différents. Ouais, c'est deux. Il y a la couture, la haute couture, en fait. Mais c'est un peu comme ça, en fait. Hein. Non, parce que tu vois, vu d'ici, non, on se rend pas compte. Non, t'as vraiment le lac Clément, en fait, la banane. Et puis en dessous, en fait, t'as toute la Savoie. Ça va à peu près, en fait, jusqu'à Aix-les-Bains, Annecy, tout ça, etc.
Et puis ensuite, après Chambéry. Chambéry, c'est la préfecture de la Savoie. D'accord. Voilà, petit cours de géographie. Merci beaucoup. Donc voilà. Et du coup, bah, parce que j'avais pas envie de partir à Lyon, en fait, pour moi, la foule, les gens, trop, quand il y en a trop, puis vivre dans des petites cages à poules, ça m'intéressait pas tellement, en fait. Dit-elle de Paris. Ouais, bah, après, bah, il a fallu, en fait, hein, voilà. Mais du coup, ouais, cette école s'appelle l'ENAI, qui est à Chambéry, donc ça s'écrit E-N-2-A-I. D'accord. J'espère pas me tromper. L'école existe toujours. Et l'école existe toujours, comme ça. Il y a deux A. Deux A, par contre, c'est pas deux I. C'est deux A. Ouais, t'as vu, il me corrige. Voilà. Et du coup, c'est là que, là que tu as. Alors, j'ai jamais été dans ces locaux, en fait. Là, ils ont level up, en fait, pas mal de fois. Moi, quand j'y étais, c'était dans des locaux où on cohabitait, en fait, je crois, avec une truc de chocolaterie ou je sais pas. Ah, c'est bien, quoi, ça. En fait. Ouais, c'est bien, ça sentait le chocolat, c'est bien. Ou le caramel, ou tout ça. Mais après on a bougé en fait un petit peu plus loin après, puis enfin voilà, ça a grandi en fait de plus en plus. C'était une école, contrairement à Emile Cole, qui était cool parce que en fait alors je veux pas bitcher sur Emile Cole, hein, c'est une école très très bien aussi, je connais pas assez, mais du coup en fait en tout cas l'ENAI il nous laissait en fait quand même du coup garder un petit peu en fait bah, déjà notre savoir-faire, enfin ce qu'on savait déjà faire en fait avant. Il n'y avait pas forcément une déconstruction. Il n'y avait pas en fait voilà un gros formatage en fait non plus pour que tout le monde fasse du NAI comme tout le monde fait un peu du call en fait à un moment donné. Du coup je trouvais ça intéressant, puis ça coûtait deux fois moins cher en fait aussi, c'était aussi très intéressant. Ce qui dépanne. Voilà. Et j'ai vraiment vécu cette vie étudiante. Enfin, ça fait, ouais, ça m'a vraiment fait du bien pour élargir un peu mes horizons, tout ça. Et arrêter de faire que du manga. Aussi. Ouais, donc ouais, élargir tes horizons, ouais. Parce que donc t'avais la partie manga, la franco-belge qui arrivait dans cette époque. Torgal, mais après il y avait pas. Torgal, j'ai découvert ça, j'avais 11 ans. D'accord. Ouais. Donc voilà. Et puis ensuite, après, j'ai continué, mélange, enfin, Torgal, mélange Mandia, enfin, tout ce qui passait, en fait, un petit peu, j'ai pris des notes, un peu, bon, bah voilà, les Death Note, un peu, tous les dessins un peu stylés et tout, c'est comme ça, je sais plus ce que je suivais, bon, je retrouverai, c'est pas grave. Tu te referas la liste de tes 15 mangas favoris. Non, mais il y en a plein, hein, il y en a un tas, il y a même des trucs pas trop connus et tout ça, en fait, enfin voilà, bon, je vais pas citer Akira, machin, tout ça, enfin, beaucoup aimé, ça a eu beaucoup d'influence. Et sinon, pour faire un peu plus court, en fait, parce que là, en fait, c'est complètement décousu avec moi. Hein, on est encore en Savoie pour l'instant, ou en Haute-Savoie. On est encore en Savoie, mais en Savoie, on peut même être encore en Haute-Savoie, en fait, si on veut. C'était le jour, justement, où j'ai découvert Photoshop. J'ai découvert ça quand j'avais 16 ans. D'accord. Et je faisais donc, avant l'ENAI, hein, bien sûr. J'ai fait un stage dans une web agency. J'ai montré en fait ce que je faisais sur Paint. D'accord. D'ailleurs, j'ai le premier dessin sur Paint. J'ai le premier dessin sur Paint que j'ai montré pour mon stage quand j'avais 16 ans. Donc en fait, je savais en fait dessiner des trucs, hein, sur papier et tout ça. Mais pour le stage, j'avais montré un truc. Alors attends. Dès que je le trouve, en fait, je te dis ça. En fait, j'essaie juste. Parce qu'il s'appelle IMG avec des chiffres. Alors qu'il se serait appelé mon premier dessin en stage. Ça aurait quand même été beaucoup plus simple. Ouais, voilà. Et du coup, j'avais fait ça à la souris et tout, en fait. Dessiner à la souris ? Ouais, j'avais pas de tablette graphique et tout, en fait. Ouais, j'ai dessiné à la souris et tout. Puis après, j'ai quand même triché, hein, j'ai retouché, en fait, après avec du Posca, parce que j'avais pas fait la tête de Krillin assez grosse. Donc voilà, et du coup j'avais 16 piges, ouais, c'était en 2000. Ah là là. Voilà. Et donc du coup, les mecs en fait sont dit, mais attends, si tu fais faire ça sur Paint, il faut qu'on file Photoshop 7 et tout. Et voilà. Donc j'ai travaillé sur Photoshop 7, et le premier truc que j'ai fait en fait sur Photoshop, du coup pendant mon stage, en fait, c'était ce petit dessin là. Mais c'était quoi ce stage où on te faisait faire des illustrations de Dragon Ball ? C'était un stage cool. Bah, c'était un stage, enfin, dans l'État, ils n'avaient pas trop besoin de moi, en fait, non plus. Non, c'était un stage découvert quand t'as 16 ans et tout. Je devais faire, en fait, une école, genre, tu peux changer, on va pas rester non, y a pas très longtemps. Là, tu préfères revoir ton...
Du coup, en fait, ce stage, normalement, devait durer très peu de temps. Puis je devais faire une école, en fait, de communication visuelle à Lyon, tout ça, etc. Bon, il se trouvait, en fait, que le mec, c'était un petit peu un truand, en fait, qui payait pas ses trucs à la maison du commerce, du machin, des trucs, je sais pas quoi. Et qui avait un truc de contrebande avec sa mère dans un truc de vidéo club cassette, machin. Bon, c'était assez rigolo. Ça, c'était il y a longtemps, parce que si c'était... ouais, voilà, c'est les truands en fait de la Haute-Savoie. Et du coup, tout le monde est en train d'aller chercher sur internet. Je sais même plus comment il s'appelait en fait. En tout cas, la boîte s'appelait Eureka. Cette web agency m'a offert vraiment en fait un super cadeau en fait. C'était Photoshop 7, et de pouvoir avoir l'opportunité en fait de commencer à dessiner dessus et tout ça, après de découvrir la tablette graphique aussi qui a changé en fait ma vie. Et Photoshop, ça a changé ma vie dans le sens où en fait ça m'a permis d'améliorer en fait un petit peu quelques fonctions cognitives dans mon cerveau qui faisaient que je faisais en fait un peu des personnages trop en fait de la même façon, pas assez dynamiques. Du coup, l'outil de transformation, c'était un super truc pour moi, en fait. Ça t'a permis de corriger des pauses, en fait. Et puis, d'éduquer, en fait, un petit peu ma façon de voir l'image, d'analyser, en fait, mon image et tout ça, en fait. Et puis après, fallait suivre, en fait, à la main, en fait, à côté aussi. Mais ça a fait un grand, grand changement aussi de destination. De manière d'envisager ça. Je suis en train de descendre et de me promener sur ton ArtStation. Donc il y a pas mal de. Il y a que y a des projets pro de toute façon là-dedans ou il y a encore des projets. Non, il y a des projets perso en fait et il y a des projets vieux aussi. je vais pas jusqu'au vieux. En bas, par exemple, c'est des trucs où j'étais en fait à l'ENAI, en école donc d'art. En essai, en test. Bon, voilà, c'était beaucoup d'expérimentation. Et tes premiers projets vraiment vendus, dont tu es hyper fier dedans ce Alors, bah, ça a commencé, vraiment où ça a commencé, en fait, c'était quand je suis arrivée à Paris. Ouais. Du coup, ah, tu vois, finalement, c'était la Haute-Savoie qui te plombait. En fait, non, c'est juste que du coup, ne traite pas la Haute-Savoie, ni la Savoie d'ailleurs, que j'aime. Non, mais on va pas faire les nationalistes. Mais du coup, en fait, je faisais surtout des couvertures de livres quand j'étais en fait là-bas en Savoie, à Chambéry et tout, plus mes études, etc. Je faisais des affiches pour des mairies, je faisais tous les petits trucs et tout. Enfin, voilà. Mais ça me payait pas en fait tout le reste de l'année, enfin j'en vivais pas en fait du tout, c'était de l'occasionnel et tout. Moi je continuais en fait à dessiner, à faire mes trucs en fait pour moi. Je faisais mes petites BD, j'ai toujours adoré en fait faire de la BD. Du coup, je crois que je dois avoir des vieux trucs. C'est des choses que t'as posées en ligne quelque part, hein. Ouais, là j'ai un truc sur si je vais sur alors j'ai un vieux Overblog. C'est fou ça. C'est hyper vieux. On est sur Overblog. C'est... Ouais, j'ai le vieux Overblog, mais je l'ai gardé pendant des années en fait ce truc. Puis je mettais mon nom de domaine en fait dessus. Et en fait niveau BD, du coup, ah bah tiens, j'avais même fait une BD. Ça c'était à l'école. C'était un crossover entre deux trucs. Alors j'ai pris le truc que je préférais, et le truc que je ne supportais pas. Je supportais pas du tout. Du coup j'ai fait un mélange DBZ Twilight. Et du coup, ça a donné un truc où Goku arrive, tiens, et Bulma qui est en train de lire et tout tranquillement. Oh, bah tiens, qu'est-ce que tu lis? Bah c'est un vampire, il brille et tout ça au soleil, ah, il est si beau, il est si fort, et voilà quoi. Puis du coup, il fait moi aussi je peux faire ça, tu vois, je peux briller, puis je peux être fort, donc genre gros beau gosse et tout. Vegeta qui arrive et tout, putain, il est en train de se faire ma femme et tout, dégoûté. Puis après, soir, pleine lune, puis il se transforme ensuite en gorille. Attention, t'es en train de spoiler les premiers albums de Dragon T'as Ball. T'as vu ça? Donc voilà, je faisais des petites conneries, en fait, comme ça. Et puis, en fait, une BD qui est plus chère, en fait, à mon cœur, qui un jour je ferai, en fait, peut-être. Ça parle un petit peu, en fait, de l'humanité. Moi, j'aime bien parler de l'humanité, comment ils ont vécu, comment ils ont évolué, comment ils vont évoluer après, en fait. Voilà. Et du coup, là j'avais fait en fait un petit résumé en fait un peu
en quelques pages. Je sais plus, c'est j'avais un peu le pitch de ta BD. Ouais, en gros, c'est le pitch en fait du premier tome, en fait, un peu où ils se réunissent tous et ils arrivent à remonter à la surface parce que du coup, en fait, ils étaient un petit peu sous terre et puis ils découvrent en fait qu'ils sont pas si sous terre que ça, en fait, parce que du coup, ils sont dans l'espace, en fait, qu'il y a des trucs après, mais je spoil pas tout. C'est ça. Voilà. Puis, alors, du coup, ça, c'est une BD que tu feras un jour quand tu auras le temps. Un jour, quand je prendrai le temps, en fait, ouais, j'aimerais bien le prendre ce temps-là. Donc voilà, j'avais fait aussi un petit stage en fait à Emile Cole de BD. J'avais gagné le premier prix. Non, j'aurais bien aimé. Des heures d'Emile Cole. Non, mais ouais, ça aurait été bien. Non, j'avais gagné une BD de Lincoln. C'était marrant, Lincoln d'ailleurs. Ouais. Voilà, là je m'essayais un petit peu au tram, tout ça. Je crois que j'avais fait ça pour une petite branche des humanoïdes associés à l'époque. Ouais. Et du coup, je crois que c'était Xavier Dorinson, qui avait vu en fait un peu ça, mais qui m'avait dit bon bah en fait c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça en fait. Pour être pro, il y a encore des petits problèmes et tout, des machins qui vont pas. Puis finalement, je me suis dit bon ok, je vais me faire une école d'art et tout, il faut que j'apprenne à dessiner un peu mieux, voilà, que j'ai un peu plus de rigueur. Donc l'école, ça te permet en fait justement la rigueur, d'apprendre des nouvelles techniques, tout ça. Apprendre des nouvelles techniques, gagner du temps aussi peut-être, parce que je pense que quand on cherche, on peut chercher tout seul longtemps et ouais, et c'est avoir ça. Un guide tu peux même, enfin, te guerriériser dans le même truc en fait tout le temps pendant des années et puis sans avancer en fait. Donc c'est vrai qu'il commence à faire chaud un peu là. T'es bien, je t'avais dit. Ouais. Vous vous rendez pas compte, vous nous voyez juste en tout petit dans le fond de l'écran, mais. C'est le côté super voilà, donc ça c'est pour le petit côté je spoil des trucs, mais c'est pour le petit côté voilà, BD où j'aimais bien faire ça. Pendant mes études aussi, j'avais fait des couvertures de bouquins, du coup. Ouais, pas mal de couvertures de bouquins en fait, pour le petit caveau, pour les éditions Voyelles, qui était ma vraie première maison d'édition en fait, et avec qui je travaille encore du coup. Je suis très très contente de bosser avec eux, c'est assez cool. Je fais des trucs assez chouettes, j'aime bien. Enfin, je suis très très science-fiction aussi, en fait, j'aime beaucoup ça. Là, il y a la grosse série des Mark Storm aussi. Du coup, bah, là, ça faisait, je sais pas, 10 ans, 8 ans qu'elle n'avait pas écrit. Et là, je suis en train d'en faire un nouveau qui arrive. Tu vois aussi en fait l'évolution en fait entre les vieux Mark Storm et puis maintenant en fait. Ce que je suis en train de faire, et un bon exercice aussi avec des trucs en noir et blanc aussi, c'était assez cool en fait à faire. Et donc à ce moment-là, t'étais encore J'étais encore à l'école. J'étais à la tablette graphique. C'est fini. Les souris, ça a arrêté quand j'ai commencé à avoir Photoshop. J'ai arrêté les conneries à la souris, quoi. Ça, c'est putain de vieux, ça. Ah oui, puis j'avais fait un super livre pour enfants aussi qui était cool. Qui s'appelle La sorcière d'Opale, qui d'ailleurs a gagné un prix de l'illustration, je crois, en Belgique. J'ai plus le nom, en fait, c'était un peu compliqué. Et c'était un livre sur les réfugiés. Je perds mes mots, en fait, en Afghanistan. D'accord. Et du coup, bah, c'est une sorcière qui d'abord part à la rencontre de son chat, et un chat, en fait, qui sonde un petit peu les âmes et tout. Et qui va ramener en fait des réfugiés de l'autre côté de la Manche. Elle traverse avec son balai, elle va les chercher, tout ça, avec le petit chat qui s'appelle Tello. Elle lui parle un petit peu de son pays, tout ça. Et puis, c'est quelqu'un qui aime bien les chats, donc il y a plein de chats et tout. Et du coup, toute seule et dessus, vous étiez dedans ? Non, j'étais toute seule. J'ai pas écrit en fait. La personne qui a écrit, c'est Mara Montebrusco-Gaspari. Je l'ai en plus gros là. Bravo. Mais toi, t'as zoomé sur le nom. Quoi. Ah, mais moi, je zoome sur le nom, je vais pas faire semblant d'être capable de lire. C'était un très très chouette travail aussi à faire. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai vraiment bossé en fait sur le côté très peinture, très lâché avec des formes, avec. Enfin voilà, c'était pas un travail hyper léché, en fait, c'était vraiment très, très très dans la peinture. Tu dis pas hyper léché, mais c'est quand même assez, c'est vachement propre. Ouais, mais voilà, je me suis plutôt lâchée, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, en fait, dessus. Il y a Fanday qui demande si t'as déjà dessiné un storyboard.
Ouais, ça m'est arrivé, mais en mode dégueulasse, du coup. En mode, non. Donc j'en ai pas à montrer. En fait, hein, quand je fais des storyboards, c'est des bonhommes avec une croix au milieu de la tronche. C'est du stickman qui permet de raconter l'histoire, et c'est tout. Ouais. Donc c'est pas. Ouais, mais de toute façon, Un jour, de toute façon, oui. J'ai donné des cours un peu de storyboard aussi à des élèves. Où je leur expliquais que voilà, ce qui est important en fait, c'est de dessiner vraiment en fait l'action quoi. Ouais. La ligne de force, la gestuelle, qu'on comprenne, que tu fasses bien tes cadrages et que le niveau de dessin n'est pas indispensable. Le niveau de dessin est pas, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Si jamais vous êtes intéressé d'ailleurs, parce que je vois la question de Fanbay, sur la chaîne YouTube Adobe France, on a reçu Younes Jabran sur le storyboard. Alors, je vais chercher Younes. Hop, parce que normalement, on en a qu'un seul. Et Younes nous a fait justement tout un tas de petites explications techniques sur le storyboard, le découpage. Alors, il nous a aussi parlé de son passé, de la manière dont il allait découper, prendre le scénario, comment il allait travailler dessus, qu'est-ce qu'il allait montrer comme mouvement. Et justement, alors que c'est un super dessinateur, il te dit non, mais le niveau de dessin, on s'en fout, ça c'est suffisant. Ouais, voilà, c'est ça hein, en fait. Et du coup, c'est beaucoup moins impressionnant pour le commun des mortels où tu dis ouais, mais finalement, c'est que des bonhommes bâtons, oui, mais. Mais en fait, du coup, t'as l'intention, ça c'est suffisant. Hein, ça c'est des choses qui vous intéressent, les gens, du storyboard, de l'animatique, des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de petits outils. Quand on avait reçu Caroline Attia, elle avait montré justement son travail. C'est vrai que c'était chouette, moi j'ai vu à l'Art Weekend. Ouais. Tout à fait. Par contre, on peut remettre la film, du coup. Non, ça fait tellement de bruit, ça va mourir. J'ai chaud. Et ouais, je sais, c'est trop dur. Ok, allez, on se met en mode guerrier. Exactement. Ça marche. Bon, si jamais je suis rouge, vous inquiétez pas. C'est ça. Ça va bien qu'on reste avec l'écran vert. Exactement. Mais le fond de ma question, c'est le décor réel qui conduit le dessin ou c'est la partie dessin qu'on créera, c'est avec la partie dessin qu'on créera le décor en storyboard. Je suppose que c'est la suite de la question de tout à l'heure. Mm-hmm. Bah, pour l'idée, en fait, en général, hein, je me permets de répondre, quand tu fais le storyboard, tu le fais à partir du scénario quand il n'existe pas encore grand-chose. C'est la partie qui va en parallèle avec le concept art, où tu vas avoir à la fois le développement visuel, mais le développement de l'histoire pour comprendre comment tu vas l'animer. Du coup, ces deux parties-là sont faites en parallèle. Si il y a des bonnes descriptions, ça peut jouer, mais en gros, c'est pas forcément le même métier. En tout cas, faut que tu connaisses en fait là, enfin où tu te situes en fait. Est-ce que c'est plutôt dans un endroit clos? Est-ce que c'est un énorme paysage et tout ça? Ton action, elle se passera pas de la même façon de toute façon. Donc, faut te poser plein de questions. Faut noter. Faut faire beaucoup de notes avant de commencer quelques dessins que ce soit en fait. Enfin, à mon sens, hein, mais voilà. Oui, de toute façon, voilà, c'est l'écriture qui va permettre de poser les idées. Pour certains, ça va se faire avec du schéma en plus, du croquis. Ouais, c'est ça, tu fais des schémas, des recherches, tu fais des tableaux Pinterest, Et puis tout dépend aussi de l'ampleur du projet, je pense. Oui. Parce que quand tu fais du dessin pour une partie d'une histoire, tu peux te permettre, enfin, ou pour une illustration, tu peux te permettre d'aller vite et de faire ton dessin directement. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu commences à faire du dessin qui doit s'intégrer dans un animé, dans un film ou autre, il faut effectivement être sûr d'être cohérent d'une scène à l'autre. Ouais, c'est ça, que tu te retrouves pas en fait en haut d'une montagne et puis tout d'un coup, en fait, t'es... t'aurais pu être dans un bar-resto, en fait, là-haut dans la montagne, hein, mais... c'est ça. Bon, voilà, c'est plus rare, quoi. Ouais. C'est, tiens, on a un plan dans la ville, un plan dans la montagne, un plan à la mer. Ouais, c'est ça. Ouais, faut faire attention aux sauts, aux ellipses. Tout à fait. Donc voilà, pour la petite histoire de la BD. Petite histoire. Freeze, MGL nous dit « Je suis tombé par hasard ». Est-ce que c'est une chaîne basée sur le dessin? C'est une chaîne sur laquelle on va beaucoup parler de dessin, vu qu'on est sur la chaîne Adobe France. Et du coup, on va parler de tout ce qui se fait autour de Photoshop, entre autres. Donc, tous les gens que je vais recevoir qui dessinent vont vous parler de dessin, mais ceux qui vont vous parler de films, ceux qui vont vous parler de livres, de logos, de web, d'applications, sauront vous donner d'autres infos.
Si on revient sur ton ArtStation, est-ce que là-dedans, tu as des images qui sont des images clés, des images pivots pour toi, sur lesquelles tu te dis, ce truc-là, ça a marqué ma manière de bosser ou c'est, En fait, ce qui a été pivot, comme je disais, en fait, surtout, c'est quand je suis arrivée à Paris, où je me suis dit, ok, je veux me lever en fait, tous les matins en dessinant, je ne veux plus rien faire d'autre, en fait, j'en ai ras le cul. D'accord. Donc, du coup, tu te dis, le seul endroit où aller, c'est là où tu as le plus de chance, en fait, c'est Paris. Et connaissant mon aversion pour Paris, je me suis dit, mais ok, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai cherché un petit peu en fait comment je pourrais y aller, je vais pas me pointer en fait là-bas comme ça et puis y aller quoi. Et j'ai trouvé en fait j'ai repris mes études à 32 ans, moi j'aime bien apprendre, alors je reprends des études, je me suis dit tiens moi j'aime bien le jeu vidéo et tout, j'ai trouvé une école qui fait en fait en 2 ans un master pour faire du jeu vidéo. Et du coup, ça te permet de voir l'envers du décor, de rencontrer des mecs qui viennent d'Ubisoft, qui sont. Et c'était assez cool. Et par contre, il fallait trouver en fait un contrat pro. D'accord. Parce que j'avais pas de thunes en fait à dépenser non plus encore en plus. Et je trouvais ça assez cool parce que du coup, contrat pro, je suis payée. Je paye pas l'école. J'apprends des trucs, mais j'apprends sur deux fronts. J'apprends des trucs en fait à l'école et tout ça. Enfin voilà. Et j'apprends en fait un peu dans la vraie vie, sur une prod en fait, comment ça se passe. Ouais. Donc au début, j'étais axée jeux vidéo en fait à fond. Et puis j'ai pas trouvé, c'est assez compliqué, contrat de professionnalisation en jeux vidéo et tout. Enfin, ça se fait, mais c'est un peu compliqué. J'avais des potes qui bossaient en fait à la Poste ou à la SNCF et tout ça, ou à Carrefour. Moi, j'avais pas envie de faire un contrat pro en fait comme ça. Et finalement, un jour, je dessinais en fait dans un bar le matin, buvant mon petit café. On n'a pas eu de café d'ailleurs. Avant d'entrer à l'école. Et puis il y a une personne au moment où je paye en fait qui me dit ah tiens sympa ton petit croquis tout ça. Je lui dis ah bah merci. Je suis dans l'école là, juste à côté. Moi je raconte ma vie quand il faut, hein, pas tout le temps, mais quand il faut. Je sentais bien. Donc je me dis je suis juste à l'école en fait là à côté. J'aimerais bien que ça continue parce que là j'ai pas de contrat pro, alors je sais pas ce que ça va faire. Mais c'est pas grave. On garde la confiance et tout. Tout va bien se passer. Et là le mec me sort en fait une carte. Donc il s'appelle Farid Ben Salem. Il me sort une carte, directeur, designer, je sais plus trop quoi, donjon, dragon, etc. Je fais ah ouais, quand même, c'est fou. C'est complètement dingue en fait, quoi, tu vois. Et il me dit si jamais, moi j'ai pas de boulot, mais je connais des gens et tout, donc voilà. Donc je lui dis ok, ça me fait plaisir. J'étais entêtée en fait encore dans le truc du jeu vidéo, je faisais des tests en fait. Avec Gamino à un moment donné en fait, mais comme je connaissais pas trop Unity, ils ont pris en fait quelqu'un d'autre. Je rappelle Farid et puis il me dit je sais que Matago en fait prend des fois des stagiaires ou des gens en contrat pro et tout ça. Rencontre Hicham, je te passe en fait son numéro et tout ça. Et donc c'est là que je fais la rencontre d'Hicham chez Matago, et c'est ça qui a été un petit peu un grand tournant dans ma vie. C'est déjà de bouger en fait à Paris, et puis de bosser en fait pour de vrai, où t'arrives, ton boulot c'est tu te poses derrière un PC et tu dessines, on te dit tu vas faire des trucs cool, tu dessines, tu fais des... Et puis vraiment, moi, je suis arrivée, on me dit cet après-midi, on va faire une escape game, tu sais, pour voir en fait à quoi ça ressemble. Je fais, mais c'est trop bien comme taf, putain. C'est excellent. Là j'étais vraiment super contente. Je me suis poussée en fait aussi à sortir un petit peu de mes zones de confort. Je fais très très peu de décors, on voit beaucoup de personnages. Et là, du coup, en fait, je suis tombée sur un jeu. En fait, on m'a fait bosser sur un jeu qui s'appelle Cyclades Monument. D'accord. Là, du coup, c'est plutôt en fait cette image-là. Hop. J'ai migré, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'as migré. Ouais. Ça m'a vraiment. Ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort en fait, en dessinant un peu des bâtiments, en me forçant un petit peu avec la perspective, avec l'environnement. T'assurer que tout ça soit juste, cohérent. Ouais, c'est ça. Puis en m'inspirant et tout, c'est aussi. Au début, j'avais fait un. Je sais pas si j'ai mis le vieux truc. J'avais fait un autre truc.
avec d'autres couleurs et tout. Puis c'est marrant, Hicham vient me voir. Ah oui, ben, je crois que c'était plus celui-là. Et il me dit, ouais... Mais bon, là, ça fait un peu phrase état. Alors, je lui dis, il y a pire comme, il y a pire, en fait, comme remarque, en fait, quoi, tu vois. Mais je fais, oui. Je fais, non, ce serait mieux un truc un peu plus moderne et tout ça. Donc, moi, tu sais, j'étais encore, à fond dans la peinture. J'essaye de cacher, de camoufler, en fait, des fois, un peu des trucs et tout ça. Enfin, la technique de la gruche, quoi. Et du coup, Hicham m'a vraiment bien poussé, en fait, à déjà aller voir d'autres références. Enfin, avec ses critiques et tout, en fait, ça m'a vraiment aidé à me pousser, en fait, un peu plus loin. Et du coup, après, ça a donné ça, du coup. Voilà. Oui, c'est bien, en fait, quand t'as une direction artistique. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, de quelqu'un qui te dise, non, va plutôt voir là, va plutôt voir ça. C'est d'habitude, quand t'es dans le système scolaire, t'as des profs, va voir ci, va voir ça, voilà, mais enfin... Dans la vraie vie, ça arrive moins. Dans la vraie vie, c'est pas pareil, en fait, il y a moins d'enjeux, enfin, ton plus gros enjeu, en fait, c'est pour beaucoup qui sont à l'école, c'est est-ce que je vais avoir une bonne note, est-ce que je vais avoir mon diplôme. Là, moi, je m'en foutais de la bonne note, et je m'en foutais du diplôme, je savais que j'avais ma paye à la fin du mois. Là, c'était plus, en fait, est-ce que je vais réussir à faire une image, en fait, qui va bien se vendre, qui va toucher des gens, qui est en accord, en fait, avec tout ce qui se fait, en fait, aujourd'hui, est-ce que je serai à niveau, toutes ces questions-là, en fait. Donc, ça m'a bien aidé. Et j'avais commencé par des bâtiments, en fait, un peu comme ça. Sur ce projet, en fait, on était deux. Il y avait Olivier Sanfilippo, aussi, qui est un très, très bon cartographe, entre autres. Hein, il fait d'autres choses aussi. Il a sorti un jeu qui s'appelle L'Empire des Cerisiers, un jeu de rôle aussi, qui est vraiment super beau, en fait. Moi, j'aime trop son style. Et il est trop fort en cartes. voyons. Oui, mais c'est pas grave, il l'a trouvé quand même. Celui qui a été financé sur Ulule, en plus. Oui. Bravo, félicitations à lui. Qui date, du coup. Hop, avec artbook, avec illustration. Ouais, c'est ça, c'est cool. Super cool, j'adore son univers. Donc on était deux, lui il avait fait en fait les croquis pour les figurines, parce qu'il y a, des figurines en fait pour les bâtiments et tout ça, et sur la base de ces croquis, du coup j'ai peint et j'ai monté un petit peu tout le truc et tout pour Cyclades, quoi. Et je sais plus, il y avait des trucs après il y avait des contraintes couleurs, hein, comme il y avait des bases en fait où au-dessus c'était gris, en bas c'était bleu, voilà, il y avait t'as forcément des de la contrainte, en fait, comme ça, ouais, mais que du coup t'apprends à gérer, t'apprends à intégrer, à tourner autour de la contrainte pour c'est hyper intéressant, en fait, justement, de se dire ok, on va pas faire ça au hasard, t'as une contrainte, comment, en fait, avec une contrainte qui peut être vraiment hyper contraignante, en fait, pour le coup, tu peux faire quelque chose. Non, parce que des fois t'as des petites contraintes, mais ça va, quoi, tu vois, mais là c'était vraiment c'était de la contrainte technique de production. Tu dis, tu peux pas faire, en fait, je pouvais pas faire comme d'habitude, où je mets plein de couleurs, plein de machins, plein de trucs qui scintillent, qui brillent partout, avec, enfin, voilà. Je pouvais pas m'amuser à faire du Martin Ahel, que j'adore son style, je trouve ça fou, en fait, toutes ces couleurs qu'elle met. Et du coup, ça m'a un petit peu restreinte à me dire, ok, je vais plutôt, en fait, m'occuper de mes valeurs, de mes volumes, de la profondeur, plutôt que d'en mettre partout, en fait. D'accord. Donc ça, c'était c'était vraiment un très très grand une bonne étape, une très très bonne étape. Et par la suite, du coup, comme j'ai fait mes preuves, du coup, j'ai bossé, en fait, sur un jeu de rôle qui s'appelle Écrime. Et donc je suis passée, en fait, vraiment de, je dessine jamais de décor, elle apparaît pas, c'est un peu lourde. Jamais de décor à un peu plus de décor et un truc un peu plus fourni avec un storytelling qui marche plus ou moins. Donc voilà, alors à savoir, en fait, Écrime, c'est pareil, hein, c'est un jeu de rôle qui a été écrit, je crois, en 91, si je ne me trompe pas, par Mathieu Gabory, qui a été repris pour être édité. Je crois qu'il est sorti, je crois que cette année, en fait. Je crois que c'est pour cette année. Je ne veux pas me tromper, je vais dire des conneries. Désolée si je dis des conneries, en fait. Ne dis pas de bêtises. Voilà. Les gens sauront trouver la bonne boutique de jeu de rôle, le bon forum, qui aura exactement la bonne date. Et du coup, en fait, voilà, j'ai commencé à faire un peu plus d'illustrations avec plus de bâtiments, plus de...
Voilà, plus d'ambiance, plus de persos, mais en action et tout ça. Et j'ai fait aussi pas mal de trucs aussi, un peu en noir et blanc aussi. Voilà, il y avait celle-là aussi qui était assez cool. J'ai essayé de bien travailler mes lumières et tout. Il y avait Émile Denis aussi qui travaillait en fait sur ce projet. Puis il y en avait d'autres, hein, Nicolas Fructus. On a même eu, comment il s'appelle, j'ai perdu son nom. Schuiten ou Skaten, je sais pas comment on dit. Schuiten, ouais, je sais. François Schuiten, j'adore ce gars aussi. Donc en fait, c'est une vraie émulation de bosser avec aussi d'autres artistes qui sont hyper talentueux, hyper bons et tout. Tu te mets un peu la pression, mais c'est hyper inspirant parce que tu te dis, si lui il peut le faire, moi aussi je vais le faire, quoi. Et puis t'y vas, quoi. Donc j'étais plutôt dans ce genre-là, j'aimais bien. Là, je sais pas, ils mettent contenu adulte, peut-être parce que je suis en train de pendre en fait le mec avec ses tripes, mais je pense que ça doit être ça. Ça doit être cette partie-là. Donc voilà. Vous irez chacun cliquer sur l'image en fonction. Et pour le trivia du jour, c'est Skyton. Skyton. Voilà, c'est pas moi, c'est Wikipédia. D'accord, c'est lui qui dit Skyton. Okay. Ouais, j'aime bien le Skyton. Skyton, voilà. C'est pour ceux qui savent pas lire. Skyton. Et ensuite, après. Donc après, après avoir fait un peu de crypto, j'ai même fait des bestiaires aussi, en fait. C'était hyper intéressant à faire. Ah, pareil. Je dessine pas beaucoup d'animaux. Toujours pour du jeu. Ouais, c'est toujours le même, c'est Écrim, en fait. Toujours Écrim, d'accord. Ouais. En fait, j'ai vraiment découvert le monde du jeu de rôle et du jeu de plateau. Je connaissais, à part le Catan, le Uno et le Monopoly, je connaissais. C'est déjà pas mal d'aller au-delà du Monopoly, quand même. Ouais, c'est vrai. Quand t'as le Uno, ça veut dire que tu commences à avoir un jeu qui n'est pas juste un jeu de cartes. Ouais. Et quand t'as Catan, normalement, c'est que ça y est, t'es prête. Ouais, mais en plus, le Catan, moi, j'adorais ça, en fait. C'est vraiment super cool, même les petites illustrations et tout. Est-ce qu'on a des rôlistes? Est-ce qu'on a des joueurs dans la salle? Un petit oui, un petit non pour vérifier si vous êtes toujours là. Il y a TMP qui dit que c'est un régal de t'écouter, d'ailleurs. Bah, régale-toi, ça me fait plaisir. Parce que je me suis amusé, là, sur les dernières sessions. Ouais. En fait, à faire toute une série autour du jeu. Ouais. Donc on a eu beaucoup avec les Art and Talk d'invités sur la partie jeux vidéo, Oui, beaucoup de jeux vidéo. Je me suis dit qu'on allait pouvoir aller un tout petit peu plus loin, donc j'ai retravaillé sur des envies autour du livre dont vous êtes le héros, par exemple. Ouais, ça j'adorais. Autour des jeux de plateau, aussi, etc. Ouais. Et toutes les prochaines sessions du mardi, il y aura à chaque fois une session sur une fois Illustrator, une fois Photoshop, une fois InDesign, une fois Dimension, sur comment... Voilà, comment construire. Dans ce monde-là, Et je vais essayer un peu d'équiper les gens pour pouvoir le faire eux-mêmes chez eux, parce que maintenant les outils, vous avez accès à tout ça sous la main, donc faut pas hésiter, quoi. Ah bah c'est cool, voilà. C'est cool. Bah suivez bien ça, mardi et tout. c'est hyper cool ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment un monde qui s'est ouvert à moi, en fait, vraiment. Et encore plus qu'un jeu vidéo, en fait, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Parce que je dessine, vraiment, je fais vraiment des dessins, je fais des illustrations, je fais des... Ah bah oui, Edouard Noisette... Je suis rôliste et illustrateur de jeux de rôle. Oui, Edouard Noisette, oui. Voilà. En fait, on a un ami en commun qui est Guillaume Bechen, avec qui je travaille beaucoup aussi. Je parlerai de Guillaume et Ali, après, on va faire une petite association... la brigade des dessinateurs de Paris, non, on va pas faire ça, mais on va faire un truc un peu plus sérieux. On peut, hein. J'ai appris Edouard, que tu avais travaillé chez Autographe aussi. Les anciens élèves t'aiment toujours. Ça c'est merveilleux quand on a le retour des anciens qui disent qui sont intéressés. Alors, j'ai une petite question à poser aux uns et aux autres, parce que ça va avoir son importance tout à l'heure. C'est, est-ce que y a des gens qui viennent ce soir? Merci Cassis, qui me grille là. Vous allez vous rendre compte en 3 secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ce soir au Art & Talk à Paris? Faites-moi un petit oui, un petit non. Alors, ceux qui viennent, vous me dites oui, je viens ce soir. Et après, je poserai une question aux autres, à ceux qui n'ont pas répondu et qui diraient plutôt j'aimerais bien que vous veniez ce soir. J'aimerais bien venir ce soir et j'ose pas trop parce qu'on va pouvoir vous faire gagner. On va pas vous manger, allez-y. Non, venez. On va manger personne. On mangera des pizzas. C'est ça. C'est cool de ne pas avoir traumatisé les élèves. C'est bien. C'est toujours une bonne chose. Alors, vous venez ce soir ou pas? Ouais.
J'espère que vous venez. Et ceux qui ne peuvent pas venir, j'espère qu'on va se donner une bonne occasion pour venir. J'espère qu'on va vous trouver une bonne occasion pour venir. Et plus tard, quand ils seront plus riches, en fait, et plus grands, et quand vous serez plus riches, ils vous paieront des billets de train. Tout ça. J'ai lancé une idée. Ah, non, tu lances des idées, tu te rends pas compte de ce que t'es en train de lancer. Plus tard, quand il y aura en fait l'hyperloop, en fait, ce sera bien possible. Ah, quand il y aura l'hyperloop, on n'y est pas encore. Ouais. Benjamin Couronne dit la réponse c'est Paris. Non, alors pas du tout. Attention, la question va être bien différente de tout ce qu'on a d'habitude. Et je vais essayer de dévier, de dénouer le piège. Donc pour ceux qui sont intéressés pour ce soir, qui se disent j'aimerais bien venir à Paris au Art & Talk, d'habitude je pose toujours la question, ça a lieu où? Oui. Mais là on l'a fait un petit peu trop. Bah oui. La question c'est de savoir... C'est Cassis ou Olivier qui gagne tout le temps en fait. Qui gagne à chaque fois, surtout Cassis qui peut jamais venir. Ouais. La question c'est de savoir de quelle région vient Sabrina. Alors attention. Voilà, y a un piège, on va essayer de casser le piège en deux. Mais de toute façon, si vous écrivez l'un ou l'autre, version longue ou version courte, on va dire ça le passe. Mot-clé, c'est la version courte et ce sera très très bien. Voilà. Donc, on va dire ça passe. J'écris la réponse. En vrai, je suis pas née ici. Hein. T'es pas née là-bas? Bah non. Oh mince, j'ai zappé cette étape. Non, mais c'est avant Paris. beaucoup parlé. Non, pas de quel endroit elle est née. Dans quel endroit on a beaucoup parlé depuis le début de la session. Parce que ça, c'est facile, ils vont chercher sur Facebook après. Là, je vous donne des petites... Il y a quand même un piège. Ouais. On va voir si vous allez trouver. Cassis qui dit qu'il est venu, en fait, toutes les éditions jusqu'à ce qu'il déménage. Jusqu'à ce qu'il déménage, mais ça fait tellement longtemps qu'il a déménagé. Dans le Nord, en plus. Non, Cassis n'a pas déménagé dans le Nord. Non, mais je sais. Il essaye de voir... Dans le Nord, c'était pas loin. Hein. Dans le Nord, c'est pas loin. Ouais. Il y a rien. Une heure et demie. Et le temps que vous trouviez, il y a de la tome. Ouais, il y a de la tome. Le temps que vous trouviez un petit peu, ça, on va continuer, nous, de raconter ta vie. Ouais, j'aime bien quand on raconte ma vie. Donc, parce qu'on en était donc au jeu de rôle, on en était aux illustrations de plateau et autres. Donc, mais alors, quand tu es sur cette série de jeux, t'es en freelance ou t'es employé là-bas? Ça marche comment? Alors là, dans un premier temps, comme j'étais en fait en contrat pro avec Matago, j'y suis restée 2 ans. Mm-hmm. Du coup, là, j'étais employée. Donc j'avais en fait un gros projet, donc c'était soit Cyclades... soit Écrime, soit aussi Meeple Circus. C'est un truc que je montre un peu moins, parce que c'est pas du tout mon style, mais ça aussi hein, ça m'a vraiment sorti de mon sortir de son style, vraiment c'était assez incroyable. Je crois que je dois avoir une petite photo en fait de ça. Donc je suis sur un projet en fait de base quoi, en fait je crois que je dois avoir ça en fait quelque part. Meeple Circus. En fait, la première, je pense que tu peux trouver en fait la boîte de jeu en fait Meeple Circus sur internet. D'accord. Mais du coup, c'est pas moi en fait qui l'ai illustré. Hop, attends, je vais mettre comme ça. Et je perds des mots. Plus j'ai chaud, plus je perds des mots en fait. Hein, je vous le dis en fait. Et là, je suis en train de mourir. En fait, ouais, c'est ça. Je suis en train d'en chier un peu. Et alors, attends. Ouais, je crois qu'on peut retrouver en fait ça quelque part. Tiens, sur. C'était une reprise d'études à cette époque-là. Bah ouais. Ouais, j'avais, je crois, 32 ans. Donc on peut reprendre ses études à 32 ans. Ouais. Et du coup, la couverture, bah, on va l'avoir un peu plus grosse, en fait, elle a été faite par Mathieu Lessen, qui est un super artiste aussi. Tu peux montrer ses images et tout à fond. Meuf, elle fait de la pub pour ses potes et tout. Non, mais je pense que ça fait partie du jeu. Et attends, je vais juste retourner en arrière. Mais ouais, vas-y, Mathieu Lessen, en fait, qui a été recruté en fait, pour faire la boîte de jeu, en tout cas la première boîte de jeu. Mm-hmm. Et ensuite, après, il y avait tout un tas de matériel à faire.
Il y avait des pistes, il y avait des petites tuiles, un truc pour... comment ça s'appelle, pour mesurer en fait, c'est des petits meeples, tu dois les monter en fait les uns sur les autres un peu comme ça, comme les jeux d'acrobates. Et voilà, c'est un truc de jeu de cirque, en fait ouais, c'était un projet, moi je l'aimais pas du tout, mais vraiment tout le monde le savait hein, mais je l'aimais pas du tout, et parce que ça a été hyper compliqué en fait, ouais, de vraiment dessiner ça en fait, de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose de plus cartoon et tout. D'accord, ça ouais. c'était hyper hors de ta zone de confort, ouais, mais trop loin, mais c'était trop loin en fait. Et après, par contre, je prenais en fait quand même le challenge, parce que j'adore me challenger en fait et me dire bah allez, c'est pas grave, vas-y, tu peux le faire et tout. Enfin, j'ai même sorti en Chine. Officiellement. Ouais. Ouais. T'as la boîte chinoise en fait, Meeple Circus, c'est écrit. Là. C'était un site chinois qui reprenait des illustrations de Meeple Circus. Non. Et du coup, oui, de Cédric Millet, parce que j'ai pas dit. Et en fait, mais du coup, ouais, je me suis dit, ce qui est intéressant, en fait, c'est que bah, j'invente des persos. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est inventer en fait des personnages avec leur petite histoire courte ou longue ou peu importe, c'est pas grave. Mais c'est de créer en fait un univers en fait un petit peu autour de ces personnages pour les faire. Je suis assez en fait. Mais tu t'en vas ? Non. J'essaye de faire un truc sympa. Ah merci, c'est cool. Merci beaucoup. On va tester un truc. Ouais. Tu vois que je commence à dire des mots en fait qui n'ont plus aucun sens. Je vais essayer d'être sympa avec toi et avec tout le public. C'est gentil. Et du coup, ouais, d'inventer des persos avec leur histoire, j'ai toujours, en fait, pour dessiner, j'ai toujours été un peu beaucoup sur le coup de l'émotion. En fait, c'est si les personnages, je les sens pas, si j'ai pas une histoire, s'il y a pas un truc en fait qui me plaît, bah du coup, ouais, je vais faire de la merde. En fait, je peux pas inventer en fait un perso où on me dit, bah tiens, tu peux me faire une fille. Je fais, mais c'est qui cette fille en fait, voilà, que je suis obligée en fait d'inventer quand même une histoire pour bah, rentrer dedans un peu émotionnellement et puis faire quelque chose qui se dégage en fait de ces personnages quoi. Donc voilà, et c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que comme je sais pas, les Barba Papa comment ça s'appelait là, les Razmoquette ou et Arnold et tous ces trucs là, moi c'était des trucs que je trouvais cons en fait, et je suis sûre que c'est bien, mais que je trouvais cons, et j'ai toujours eu du mal en fait avec ce genre de thème un peu naïf et tout dedans, ça en fait. Donc voilà, mais du coup, je pense que, enfin en tout cas, on me l'a beaucoup dit dans le monde du jeu, que c'était un de mes meilleurs boulots, enfin j'avais vraiment bien bossé en fait dessus. Mais par contre, c'est pas un truc que je mets sur mon book, que je montre volontiers pour parler en fait de ce boulot, mais comme je veux pas qu'on me recrute pour ça en fait, du coup, je... voilà. Mais c'était hyper intéressant vraiment d'essayer de faire complètement autre chose, parce que ça, mine de rien, ça m'a aidé en fait à bien répartir en fait ma lumière, à réfléchir vraiment où je la pose, comme c'était des formes géométriques et tout. Donc non franchement c'était cool. Donc du coup j'avais le boulot de base, et à côté du coup j'avais des petits boulots comme faire des bords perdus, parce qu'il y avait des illustrateurs des fois qui oubliaient leurs bords perdus. Tu veux dire que c'est, il y a vraiment un métier de gens qui font que les bords perdus des non je crois pas que ce soit un métier hein. Je pense qu'il y a des illustrateurs qui ça te gêne le bruit de non de... c'est très bien, il y a des illustrateurs, ça fait du bien. Il y a des illustrateurs qui pensent à leurs bords perdus, à vos bords perdus. Mais moi, en fait, j'avais déjà de base beaucoup de mal à gérer mes bords perdus. En fait, à chaque fois, moi, je mettais du dessin partout, bords perdus, rien à foutre, en fait. Voilà. Et des fois, je retouchais, en fait, un peu des trucs comme ça. Des fois, je faisais un petit peu de DA aussi, où il y avait des... J'essayais, en fait, sur des boulots, en fait, d'autres artistes. Bah, tiens, si tu places un perso, en fait, là, tiens, si on change de couleur. Enfin, de faire des tests et tout pour essayer d'aiguiller un peu mieux, en fait, l'artiste. Ouais. Au lieu de juste, en fait, faire un laïus hyper long, comme ça, avec des mots qui racontent... Voilà. C'est mieux, place, en fait, de montrer. Moi, j'adore ça. J'adore faire de la DA aussi. J'en ai fait un petit peu aussi sur certains projets. Et du coup... je faisais pas mal de petits trucs voilà un petit peu à côté, à droite, à gauche, donc voilà. Mais après bon bah, j'étais principalement en fait sur des gros projets surtout Écrime, chez Matago c'était Écrime, Cyclade, il y a Destart aussi,
où c'était là, c'est un jeu de rôle en fait pour débuter. D'accord. Une sorte d'initiation en fait pour démarrer. Pour des plus jeunes, ouais. ou même pour tout le monde en fait. Ouais, pour tout le monde de Fabien Fernandez. Et, j'ai dessiné avec Raja Super Inaman sur Facebook. Son nom est super dur à dire. Ouais, voilà, super dur à dire. Raja super dur à dire. Et du coup, en fait, lui, il a fait tous les persos qui sont dans la boîte. Et moi, d'après en fait ces persos, du coup, bah, j'ai fait la boîte et le paravent. Ouais. Donc il y a des mondes un petit peu en fait à la Star Wars, à la Battle Royale, un peu un truc avec des elfes, un peu, enfin voilà, il y a différents mondes, puis c'est assez court en fait, donc c'est plutôt chouette, voilà. Et puis à côté, bah, je continue à faire du jeu vidéo en fait, à côté quand même un petit peu. Pendant le master, là j'avais fait là ce qu'on voit en fait là les personnages ici pour un jeu qu'on appelle Merci Damien. pour un jeu qui s'appelle Overpunch. D'accord. Ouais. Donc en fait c'est un jeu d'overboard dans un monde où il n'y a pas du tout de gravité et tout ça. Et un petit peu comme le football en fait à notre ère où c'est pour calmer un petit peu les mœurs. Du coup là ça se passe sur des stations spatiales et puis du coup c'est des courses d'overpunch où en fait tu peux tabasser en fait les autres challengers. C'est la version numérique du roller derby. Ouais, un petit peu, mais tu peux tabasser trash en fait bien quoi, tu vois, donc voilà. On l'a hélas pas fini parce que du coup bah on avait d'autres choses à faire et c'était hyper ambitieux en fait pour un projet étudiant. Moi, j'ai été très très contente de bosser dessus. En tout cas, nous, on était vraiment très contents de bosser dessus. Peut-être qu'un jour, on reprendra le truc, en fait, voilà, quand on aura un peu plus de budget. Donc, j'ai bien aimé, en fait, c'était vraiment assez cool. Donc, vraiment, voilà, avec toutes les contraintes, en fait, du jeu vidéo, parce que c'était un truc sur tablette. Donc, voilà, on se disait, on va utiliser un petit peu, en fait, le même mesh, on va juste changer, en fait, les textures et tout ça. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment là où je suis passée, en fait, dans le monde de la 3D, un peu, en fait, à bosser ça, en fait, après, à faire des trucs sur Unity aussi, voilà, tiens, comment, en fait, on peut enlever la gravité d'Unity, les colliders, les machins, les trucs, enfin, c'est un peu loin. Je faisais des belles cube maps aussi, en fait, j'aimais bien faire des cube maps où c'était, en fait, les cube maps pour expliquer, en gros, c'est tout ce qu'il y a, en fait, sur Unity, l'environnement, en fait, qu'il y a autour, sauf qu'en fait, on croit que c'est en 3D, mais en fait, non, c'est juste une image, en fait, qui tourne, je pense qu'on appelle ça peut-être le HDR, enfin, c'est... Alors, c'est ce qui sert aux éclairages, de reflection prod, tout ça en fait. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, plutôt que de réellement modéliser la 3D, ce qui prend vachement de temps, tu modélises tout à l'intérieur d'un cube. Et tu dessines ton cube. Ouais. Et du coup, ben, en tournant et en faisant des projections, l'œil se rend pas compte que c'est juste une image en fait à plat. Donc voilà, donc je commençais en fait un petit peu la 3D. Je balbutinais la 3D en fait un peu. Ça, c'était mon projet de fin d'études aussi, ouais, d'ailleurs. Je passe rapidement, mais on passera un peu plus longtemps sur l'Art & Talk ce soir, en fait, là-dessus. Ça, c'est pour les gens qui viennent, ouais. Parce que pour l'instant, personne n'a répondu sa voix. T'as donné la réponse ? Personne n'a répondu. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il y a personne qui a répondu sa voix. C'est une Skybox. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont ? Une Skybox, Mais non. Alors ils sont arrivés plus tard. Salut Spartan. C'est ça. Salut Jérémy. Oh, il y a tous les copains. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver. Salut. Il se réveille. C'est le réveil en plus. C'est la première invitée avec la clim en plus. C'est vrai ? Avec la clim. Ah, merci, il faut dire que je souffrais trop. Ouais, ça, on en parlera plus en fait pendant l'Art & Talk et tout. Un projet vraiment très très cool. Voilà, j'ai fait des tests aussi pour Binox, Call of Duty, Modern Warfare. Bon, sauf que mes personnages étaient un peu pourris, en fait, ici. Ils sont très mignons, de loin. Ouais, mais bon, enfin, c'est pour un test, en fait, ça fout mal un peu. Mais j'avais fait, en fait, tout un dossier, tout un truc, en fait, pour parler un petit peu de comment, en fait, je m'y étais prise, qu'est-ce que j'avais cherché, tout ça, etc.
Alors mon test, en fait, c'était presque ça. Faites des tests, hein. Allez-y. Moi, j'adore faire des tests. des fois, je fais des tests même sans postuler. Non, c'est pas vrai. Je postule quand même un petit peu. Mais du coup, ouais, je sais pas. Je voulais partir au Canada, en fait, un moment. Et tu t'es dit, c'est de. Et Binox est au Canada. Mm-hmm. C'est une petite filiale de Activision. Et enfin, une petite filiale. Une filiale, pas diminuée, voilà. J'ai eu des très très bons retours, en fait. D'ailleurs, je crois que c'était un pote de Marc Simonetti, La Forêt, je sais plus quoi. J'ai perdu son nom, désolé. Et il m'a fait un très très bon, il m'a fait un très très bon retour, en fait, sur le boulot et tout ça, en fait. Et c'est toujours hyper formateur. Mmh. Tu fais ça un peu sérieusement et tout, pour avoir des retours, pour continuer en fait à bosser un peu tes lacunes, tout ça. Et puis, ouais, après bah, je m'amusais à faire des speeds et tout aussi, hein, de temps en temps. Donc là, on peut voir. On peut pas encore voir, en fait. C'est un speed, hein, c'est petit en fait. C'est un slow coming. C'est un slow coming, très slow, quoi, tu vois. Ouais, c'était encore pendant mes études, en fait. Moi, je m'amusais, en fait, à faire des speeds, mais à transformer mes speeds. Donc, comme j'aime beaucoup Street Fighter aussi, grande fan, du coup, bah, voilà, je me suis fait Ryu quand il est jeune. Là, c'est Braveheart. Je suis très mauvaise en accent anglais, en fait. Voilà. Quand tu dis speed, c'est quoi? C'est une speed, c'est un truc où tu passes pas plus d'une heure et demie, aller voir deux heures, mais c'est quand même limite, en fait. C'est du long speed, ouais. Déjà. C'est du très long speed, là. C'est du speed tranquille, ouais, ouais. Du speed poussé. Non, mais ça, c'est ouais. Et mais enfin, en tout cas, on peut appeler ça aussi un study. Oh, je suis bien, petite étude. Voilà, c'est très cool. Faut faire des études, hein, souvent. Enfin, des fois, je m'y remets. Des fois, j'ai pas le temps. Des fois, je m'y remets, en fait, un petit peu pour pouvoir. Un peu me recalibrer, en fait. Ça, c'était recalibrer, c'est moldu, c'est ça? Recaractériser un peu, un peu mes couleurs, mes profondeurs, ma touche de peinture et tout ça. J'ai fait des trucs. Alors, ça, je me suis aidé de la 3D pour. C'est toujours Écrime. Mais ça fait partie de mes travaux en noir et blanc, mais sauf qu'il n'y a pas la première image qui apparaît. Qui va finir par se charger. Ouais, c'est ça, en fait. Pourtant d'habitude le wifi est assez réputé. Ouais. Bah en tout cas je suis partie en fait de petites vignettes comme ça, voilà. Me dire bon bah voilà, c'est un espèce d'être androgyne dans une grosse capsule, en fait, on sait pas trop, il est un peu inerte. Et il y a, je sais pas, des petits Cédric en dessous là qui sont en train de lui donner des offrandes et tout ça. Dans cette machine, donc j'ai cherché en fait un petit peu à voir, tiens, bah, quelle scène je vais pouvoir faire. Après, finalement, bah, j'ai choisi en fait ce cadrage-là, mais je trouvais que c'était un peu nul de le voir un peu hein, comme ça de dessus. Donc, tu vois, tu cherches un petit peu tu réponds à quelques problématiques, et puis finalement, je me suis dit, bah tiens, si je testais en fait un petit peu un angle de vue en 3D. Mm-hmm. Donc, en fait, en 3D, je faisais mes montages des fois sur Unity. D'accord, parce que c'était le seul truc que je connaissais, en fait, où je me démerdais bien en 3D. Et du coup, j'avais mis juste en fait, voilà, c'est un rectangle, enfin pas un rectangle, un truc, un cylindre en fait. Voilà, j'avais posé un cylindre, un rectangle, un autre rectangle, un machin. Puis j'ai changé un petit peu ma caméra et tout. Puis je me suis dit, bah tiens, cet angle de vue est plutôt cool. Donc du coup, bah j'ai repris en fait l'angle de vue qui m'intéressait pour ensuite faire mon dessin et faire de l'angle de vue dynamique. Donc ça, c'est un peu les prémices d'un mélange en fait 3D 2D. Mais bon, la 3D était très très du primaire, coup, en fait. Faire du overpaint sur la 3D. Ouais, enfin c'était un cylindre, quoi. Voilà. Mais du coup, ça m'aidait en fait à faire des perspectives beaucoup plus dynamiques au lieu d'essayer en fait de me casser le crâne en fait à faire plusieurs grilles de perspectives et finalement en fait ça va pas et enfin voilà. Donc ça c'était un petit peu les premiers trucs de 3D. Ça par contre, non, ça c'était un peu. J'avais commencé à photobasher un peu. Je comprenais pas trop le photobashing. Et puis pour moi, c'était. C'est de la triche. Et voilà. Et en fait, quand tu veux quelque chose en fait, très rapidement, très vite et qui soit très beau en même temps, tu dis bah, je vais pas avoir le temps de faire tous les câbles, par exemple là, en fait. Là, en fait, ces formes, en fait, ici, j'ai juste, comment dire, détouré, en fait, cette forme-là qui m'intéressait sur un pont.
Et puis après, je l'ai dupliqué en fait pour pouvoir la faire. J'utilisais la photo un peu bizarrement, mais je me servais en fait voilà de la forme. Bon, par contre, je continue à faire des trucs à la main. On voit que c'est un peu pourri en fait ici, mais du coup, en fait, voilà, je commençais en fait un petit peu à me dire, bah, tiens, si j'utilisais un peu plus de 3D, un peu plus de photobash aussi, en fait, est-ce que ça pourra faire quelque chose de cool? Et l'image un peu phare qui a vraiment bien marché, ça c'est une image en fait que j'ai fait en 2h30 max, ouais à peu près, un peu moins de 2h. Mm-hmm. Ouais non, je pense 2h. En fait, on m'avait dit ouais pour le lendemain, il faut que tu fasses ça, il nous manque une illustration. Ah oui, quand même. Et donc t'avais le concept et tout Non, même pas. Enfin, elle m'a dit bon alors faut que tu fasses soit ça, soit ça, soit ça. Je fais bon bah ok. Là il y a une Vénus de Milo en fait. Je fais bon bah ok, je vais prendre juste une statue à faire. Mm-hmm. Ça ira plus vite. Et du coup, en fait, fallait la trashifier un petit peu en fait. Donc je l'ai un petit peu coupée, je l'ai un peu zombifiée et tout. Et en fait, je me suis dit comment je vais pouvoir faire en fait un truc qui soit bien fourni, qui soit bien, enfin, ouais, une image qui claque, mm-hmm. mais en si peu de temps, quoi. Ouais. Comment je vais faire, quoi, être capable de, ouais, voilà. d'optimiser le temps. Ouais, c'est ça, parce que moi, je passe énormément de temps en fait sur mes dessins. Je passe trop de temps sur mes dessins parce que je suis là, attends, putain, merde, il y a un petit truc là qui va pas et tout. Là, attends, là, il y a 3 mm en fait de trou. Des fois, c'est un peu ça, quoi, en fait. Mmh. Et là, ouais, je me suis posé un moment, je me suis dit, tiens, comment je vais faire? Et là, genre, je sais pas, gros flash, je me suis dit, mais attends, un angle de vue où tu fais pas des pieds, déjà, c'est cool. Donc, du coup, tu fais pas américain. Les jambes et tout ça. Donc, tu dis, ok, bon, alors, plan américain, mais ensuite, après, bah, où t'as pas, en fait, à faire, je sais pas, c'est l'espace dans le musée au sol avec tous les petits trucs à la con et tout ça, etc. Mais il faut que ça claque quand même. Mmh. Une coupole, putain, c'est un super truc ça avec les lumières. C'est chaud quand même, la coupole. Est-ce que t'as regretté de devoir faire une coupole? Mais non, mais je l'ai pas fait avec la coupole. Tu l'as modélisée? Je suis allée. J'ai trouvé sur internet en fait. Il y a plein de photos en fait de coupoles en fait de différents musées, de différents trucs et tout. J'ai mixé en fait plusieurs architectures en fait de coupoles. Mm-hmm, du coup, ouais. J'ai repris ça d'un truc, j'ai repris un autre machin en fait que j'ai calé là et tout ça. Par contre, l'espèce de grille en fait là comme ça, je l'ai dessiné très rapidement en fait avec la symétrie de Photoshop pour certains trucs. C'est un outil très très cool que j'ai arrondi après en fait en transformant. J'ai posé mes lumières un petit peu de partout là comme ça histoire de faire ouais, les lumières et tout statues voilà. Et du coup, bah voilà, en moins de 2h30, en tout cas, j'ai fait une image qui a beaucoup marché. Du coup, en tout cas, beaucoup de gens en fait ont bien aimé ça. Je lui dis, bah tu vois quand tu veux, voilà. Et je sais pas si tu avais d'autres questions, mais après voilà, on arrive vers la fin en fait hein, des travaux. On arrive vers maintenant. Donc, on commence à se rapprocher de. Ouais, de maintenant en fait. Hein, ouais, ouais. Ouais. Bah là, du coup, j'ai fait un travail que j'ai beaucoup aimé. C'est encore du jeu de rôle. C'est sur les champs de l'os. Mmh. Et ça, du coup, ça c'est un petit dessin que j'ai fait sur mon téléphone portable avec Infinite Painter. D'accord, ouais. J'étais un petit peu en période, j'ai envie de tryhard et tout un peu, et puis de tester des trucs. Comme je passe beaucoup de temps dans les transports, comme tout le monde ici à Paris, et que j'ai commencé en fait à m'y faire, du coup, j'ai commencé à m'adapter à vous. Du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire des trucs sur mon téléphone. Donc j'étais là, puis en fait, j'utilise, c'est Infinite Painter le truc. Mmh. Et ça marche un peu comme Photoshop et tout, enfin, c'est assez cool. Ouais, et j'ai vu quelques artistes s'y mettre. Ouais, bah c'est. Non, franchement, oui, je crois qu'il y a. Il y a Cassis en ce moment, qui est à fond dessus. Je sais pas s'il y a Salia Bodic aussi, en fait. Ouais. Et du coup, bah voilà, j'essaye, enfin, ça bouge beaucoup dans le métro, dans le bus et tout ça, mais au moins ça me permettait en fait de faire vraiment des traits où, je le fais comme ça. Et, ah oui, je dessinais au doigt, sur mon petit téléphone, j'ai dessiné au doigt, quoi. Okay. En fait, ouais. Par contre, je zoomais, hein, faut pas déconner. Mais au début, bah tiens, d'ailleurs, j'ai une petite démo d'un truc qui est par là. Par contre, là, je l'ai fait en fait en symétrie, du coup. Il y a Jérémy qui vient d'arriver, qui trouve que c'est bientôt la fin, mais pas du tout, on n'y est pas encore. Comment ça, c'est bientôt la fin? Ah non, t'inquiète, on est encore là. Il reste encore un tout petit peu de temps. C'est-à-dire combien de temps? Ouais, on s'est donné... Moi, je parle, mais... Non, mais t'inquiète, c'est normal, c'est bien.
Il a fallu combien de temps pour arriver à ce niveau, nous demande Sawadogo. Alors, je vais avoir bientôt 36 ans. Donc, ça fait que 4. Donc, ça fait 36 ans. Non, peut-être pas, en fait. Mais du coup, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup dessiné dans ma vie, dans mon enfance, énormément. Des heures et des heures de dessin. Je faisais des BD, je faisais plein de trucs. Et d'ailleurs, si vous venez ce soir, vous allez pouvoir voir ça ce soir. Alors, la fille, elle garde des trucs, en fait. C'est ça, ouais. On sent que tu gardes des trucs en réserve. Ah, non, je sais pas. Non, mais je peux montrer. Hein, je peux survoler, en fait, un petit peu. Puis j'en parlerai plus longuement, en fait, ce soir. Mais du coup, ouais, j'ai dessiné tout le temps, tous les jours de ma vie. En fait, dès que j'étais en études, je dessinais. Quand j'étais pendant un cours, en fait, qui m'emmerdait, en fait, je dessinais. Enfin, voilà, le soir, je rentrais chez moi, je dessinais. Le week-end, je sortais pas trop, je dessinais. Mm-hmm. J'ai beaucoup dessiné avec la musique aussi. D'accord. C'était hyper important. Bon, je pense pour le délire un peu émotionnel et tout ça. Toutes mes BD, je les ai rythmées en fait sur des musiques. Okay, y a des musiques. Alors c'était pas des musiques de fou hein, non plus. Hein, c'était la dance qui passait à l'époque. Enfin voilà. Mais c'est juste que en fait avec le rythme, j'arrivais en fait à rythmer en fait l'histoire de ma BD trait, en fait. Ouais. Pas le trait. Hein. Je suis pas en mode je dessine sur du Mozart et tout ça. C'est pas du tout ça. Mm-hmm. C'est vraiment le rythme de la musique suivant. Enfin le rythme et puis les phases qui se passent en fait dans la musique. Hein, t'as l'introduction, puis ensuite t'as le truc qui commence à exploser, et puis ensuite après t'as un petit pont en fait un peu plus calme et tout, puis après t'as un autre truc où t'as le climax, tout ça. Et en fait, je construisais en fait un peu mes histoires en fait là-dessus, en fait sur ces rythmes-là. Donc ouais, j'ai beaucoup dessiné en fait. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc je pense même toute ma vie, moi en fait un peu mes artistes un peu phares là, un peu en ce moment, ça va être un peu toute l'équipe de Six More Vodka. Ah, bah là je vois des dessins en fait comme ça, je fais les enculés et tout. C'est pas beau de dire des gros mots. Et, c'est quoi cette manière de parler? J'ai dit ça doucement. Voilà, j'adore en fait ce que Six More Vodka. Il y a VXDCIW qui dit la fille elle dessine sur du Mozart. Wesh, on n'est pas du même monde. Mais non, je dessine pas sur du Mozart. C'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement le contraire. Non, je dessinais sur de la dance de merde des années 90. Et de la trance. Dance de base. Ouais, ah ouais. Un peu de métal et tout après, quand même. Donc voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le tirage au sort? Ouais, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, ça va être maintenant. À vos marques. Je vais faire un tirage au sort. Normalement, ça arrive d'ici 30 secondes. Quand je commence à me voir bouger là-bas, je peux leur dire qu'on va faire 3. Comme ça. 2. 2. 1. Et ça va arriver là-bas. 3. 2. Zombie. Ouais, j'aimais bien zombie aussi. Et je fais le tirage au sort pour la place, pour ceux qui ont joué, en tout cas. Check. Hop. Et a priori, donc, ça va être Dame's Rose. Mais Dame's Rose, il nous a pas dit qu'il venait de loin, lui. Ça va pas du tout, ça. Ah oui, non, il vient du Québec, Dame's Rose. On va refaire un truc vachement mieux. Je vais rejouer. Tu viens du Québec et je vais relancer pour tous ceux qui auront dit sa voix et qui ont dit qu'ils pouvaient venir et qui donnaient pas leur place à tous les copains. Mais si ça se trouve, il est là en fait. Non, il a dit je mets ma place en jeu. Donc, ah bon. Bah. Hop, attention, c'est parti. Bien. Qui a gagné? Attention. Voilà, c'est plaisant de gagner, mais cette fois-ci, est-ce qu'on a un vrai. Voilà. Moi j'ai envie de dire zombie. Zombie a gagné? Zombie. Bah écoute, ça tombe bien. Parce que... Alors, comment on prononce ce pseudo? VXDCXW. C'est quoi? C'est une plaque d'immatriculation? Comment je ça se passe? Je pense que ça doit être ça. Ça manque de chiffres. Ouais. Comment ça va être compliqué en RER? Le Québec? Ouais, le Québec, ça va être compliqué en RER. Clair. Mais pour la vraie vie, vous devriez y arriver. VXCW machin chose. Il faut que vous m'envoyez par mail des... Par mail, par Twitter, par Instagram, etc. De quoi vous identifier, bravo, que ce soit. J'aime bien Benjamin qui troll et tout ça derrière. Je peux te dire. C'est comme FX, donc c'est VX. Ouais. Okay. Ouais, c'est VX. VX, DCX, W. Ok, mais je peux. Ça sent le pseudo qui vient du bas du clavier. Merde, le mec qui a la flemme et tout. C'est ça. Bon, VX, si t'as pas trop la flemme de venir ce soir, c'est ça. Il a gagné. Ouais, il a gagné tu peux venir, t'as gagné. Parce qu'il vient de moins loin que Damsdrow qui vient de trop loin.
Ouais, c'est vrai. Donc il n'y aura pas d'ailleurs de 3. Ouais, non. Dommage. Et on va continuer sur tout. Bravo. Merci. Je te laisse rechercher, je suis sûr que tu peux trouver. Ouais. Bah voilà, hein, du coup. Cassie se pense que le jeu est pipé. Oui, le jeu a été complètement pipé. C'est-à-dire que les gens dont je sais pertinemment qu'ils ne viennent pas. En fait, on a mis des exclusions. C'est ça, j'ai complètement exclu les gens. Avant, je le faisais pas. Et comme Cassie se gagnait à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je sais pas, il a un truc. Faire, je pense qu'il a dû piper en fait le système Cassis en fait déjà, à mon avis. Et On n'aura pas d'habitants de Niort aujourd'hui. Ah dommage. Un seul peut-être. Ouais. Mais donc... ne venez pas trop loin pour moi en fait. Hein. Si déjà vous êtes là, c'est bien. Hein. T'inquiète. Faut espérer que c'est pas le nouveau nom d'un nouveau virus. Ah, c'est possible, ça ressemble un petit peu. Ouais. Alors du coup, cette image-là, c'est l'image qui a servi de couverture pour la session. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas choisi, mais pourquoi pas, elle marche bien, parce que c'est un créature en bloc, donc c'est le projet sur lequel t'étais en train de... C'est ça. C'est une créature du jeu de rôle des champs de bloc de Axel Bouet, qui est édité chez Matago. Si j'ai pas donné tous les noms, pardon. Je pense que t'as donné pas mal de noms quand même. Du coup, en fait, oui, j'ai mis un peu le process de cet animal. Cet animal avait déjà été dessiné par Axel dans un premier temps, donc je savais à quoi ressemblait la bête. Elle m'avait donné une description, un truc mi-dragon, mi-panthère, mi plein de choses et tout ça, mais en tout cas qui est très très méchante. Ouais. Et du coup, je dessine pas beaucoup de monstres non plus, enfin beaucoup de choses comme ça, mais enfin à part le bestiaire et tout, enfin voilà. C'est ce qui était déjà pas mal. Ouais, mais moi j'adore, je trouve ça bien, c'est juste que je l'ai pas fait. T'as jamais pris le temps de le faire. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais pas représenter en fait juste le monstre pour juste faire un monstre en fait. J'ai envie de faire, tu vois, une petite intrigue, un petit truc, il va se passer quelque chose, quoi. Donc du coup, je suis partie, en fait, sur quelque chose un peu comme ça, hein. Enfin, ça, voilà, c'est un truc mis en place, à peu près, avec... j'ai fait mon premier plan. Mi-tigre, mi-lion, mis en place. Mis en place, c'est ça. Voilà, voilà. Très bien, ça, c'est fait. Je garde pour ce soir. Merci. De rien. Du coup, je me suis dit, les seules espèces vivantes qui peuvent approcher, en fait, ces créatures sont des chamans. Donc, je vais faire un petit chaman qui est posé, là, tranquille, en train de déguiser ses couteaux. Bon, là, je sais pas, il admirait l'herbe noire, là, sur le côté, là. Il admirait le truc pas encore fini, mais il fallait pas. Mais en tout cas, le mec s'inquiète pas trop. Il sait qu'il va pas trop se passer grand-chose, en fait. Et par contre, lui là, enfin la créature va venir pour sonder un petit peu ce truc, mais enfin le chaman, qui veut dire, je vais te bouffer, mais je peux pas te bouffer parce que t'es un chaman. Je te crains quand même un petit peu. Enfin voilà, une petite histoire. Quoi. Et c'est important pour toi qu'il y ait une histoire sur cette image. Ouais, c'est important. Elle est pas folle l'histoire en fait. Non, mais c'est... voilà. Mais oui, c'est plutôt important parce que du coup, je trouve que ça donne plus de profondeur en fait à ce que tu représentes en fait. T'es pas juste sur dessiner pour dessiner. Non, en fait je suis vraiment pas dessiner pour dessiner parce que enfin mon truc du dessin c'est vraiment parti de parce que j'aime bien raconter des histoires. Du coup le moyen que j'ai trouvé en fait pour raconter des histoires c'est dessiner, de me les représenter. Parce que je suis très très visuel tout ça, donc voilà. Et puis c'est bien, ça me permettait de me mettre dans ma bulle aussi, d'avoir des amis imaginaires que je pouvais représenter. Je savais très bien à quoi ils ressemblaient, du coup. C'est important, les amis imaginaires. Bah ouais, c'est bien, les amis imaginaires. Ça te remonte le moral n'importe quand. et ça te motive et tout. Donc c'est bien. Et du coup, en fait, l'histoire est vraiment hyper importante pour moi, en fait. C'est pour ça que j'écris aussi beaucoup de choses aussi à côté et tout ça pour faire. Continuer justement, c'est quoi, c'est une gymnastique? Tu écris de manière régulière ou t'écris J'écris dès qu'il y a un truc qui me passe en fait par la tête en fait, mais
Du coup, par contre, quand je commence en fait une illustration, j'ai toujours plein de feuilles en fait un peu de partout. D'accord. Ou quand je fais mes recherches, ok, je vais aller chercher ça, je vais penser à tiens, je vais écrire, enfin, je sais pas d'où vient la bestiole en fait, à quoi elle ressemble, je sais pas sur une échelle de 1 à 10, combien elle fait peur. Non mais c'est important hein, je vais écrire bah tiens. Pareil, au niveau des références, ouais. Je dessine toujours avec des références sous les yeux. D'accord. Aussi. Et là, pour le coup, alors même si ça se voit pas, heureusement que ça se voit pas, des fois ça se voit pas trop, mais j'avais en fait Bagheera sous les yeux, dans la jungle. Je sais plus comment il s'appelle, pourtant en fait j'ai plus les noms dans la bouche. Oui. On repassera, mais c'est pas grave. Du coup, j'avais une de ces images, donc Bagheera. Ah, l'auteur de Bagheera des artistes qui a bossé sur Mowgli ou le livre de la jungle, en fait. Sur le dernier ou sur le premier, justement Sur celui qui est pas moche. C'était dur. Ouais, je sais pas, il y en a un, j'ai fait c'est bizarre. C'est ça. Je vais retrouver. Non, mais on a retrouvé. Jakobski, c'est pas Jaos, je sais plus. C'est pas grave, je retrouverai d'ici ce soir, j'ai du temps. Alors tant pis, vous chercherez artiste. Artiste donc, sur le livre de la jungle, version Disney. Ouais, voilà, c'est ça, version Disney. Et du coup, bah, j'avais cette image un petit peu sous les yeux où je me disais, bah ok, comment ils traitent les arbres? Mmh. Dans la jungle, comment il traite sa lumière en fait dessus, quelle texture, quelle contenance en fait ont en fait ces arbres, ces feuilles et tout ça, enfin voilà. Comment sont les couleurs aussi. Là, d'ailleurs, celle-là, je la trouve très très blanche. Je crois que je l'avais rechangée en fait où j'avais jauni là tous les blancs en fait un peu pour donner voilà, un peu plus de lumière. Là, je trouve ça très froid en fait. Je sais pas, je la mettrai à jour plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, comment les impacts de la lumière, comment ça impactait en fait sur certaines petites feuilles, juste pour faire ces tout petits trucs là, les petits trucs. Après, j'avais tendance à en mettre un peu partout, mm-hmm. Et puis finalement, j'en ai enlevé un peu quand même. J'ai été un peu aidée en fait aussi parce que du coup j'ai la chance d'être dans un atelier, ouais. Où je suis avec plein d'autres concept artistes. Il y a Nox, ouais. Nogor, qui du coup me disait ouais, je sais pas, j'aurais mis moins de lumière en bas et tout ça, j'aurais plus décroché en fait ton personnage, enfin ton monstre et tout qu'il y a derrière. Et c'est assez cool parce que enfin voilà, les mecs ils passent derrière et puis oh, tiens, j'aurais fait ça et tout un peu. Merci, c'est super cool et ça change en fait ton dessin aussi en fait, ouais, quand tu dessines avec d'autres gens où t'as des et sur des gens sur lesquels t'as la validation de ce qui te donne comme conseil aussi, je suppose. J'ai la validation de. Enfin, tu considères que c'est important? Non, non, bah oui, après, il y a des trucs, enfin, je fais pas au mec, mais je me dis, voilà, il y a des trucs qui sont pertinents. Je me dis, bah, effectivement, je le vois pas. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses, en fait, que je vois pas. Alors qu'après, que ce soit Bruno Gore ou que ce soit, en fait, un de mes élèves, en fait, qui me dit, bah, tiens, il y a un truc qui va pas, en fait, ici. Pour moi, en fait, je vais pas dire que ça a exactement, en fait, le même impact, on est d'accord. Mais du coup, je vais quand même réfléchir en fait à deux fois. Tiens, alors il m'a dit ça. Est-ce que en fait, ouais, je pourrais pas changer en fait quelque chose. Je pourrais pas. Enfin voilà. Mm-hmm. Et du coup, il y a pas que Bruno. Il y a mes deux potes aussi, Ali et Guillaume, qui du coup, on travaille en fait sur un espèce de regroupement de concept artistes, histoire d'agir en fait le plus rapidement possible sur certaines prods et tout ça, pour travailler de concert ensemble. Je vous montrerai d'autres boulots en fait qu'on a fait ensemble du coup. J'ai Alexis Briclot aussi qui est à côté de moi, où c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré en fait pendant mes études aussi à l'ENAI. Du coup des fois quand je vois faire en fait 2-3 trucs, ou des fois il se retourne, il se dit oh ouais c'est pas mal, bah non tiens c'est de la merde, ou enfin voilà, tu te dis bah ok c'est cool, enfin au moins je veux dire on se remet en question quoi en fait. Et c'est ça, c'est cette remise en question qui est vraiment chouette, parce que du coup quand tu travailles en fait tout seul t'as pas ce recul là en fait, et puis tu peux pas en fait l'envoyer comme ça à n'importe qui
des gens, il y en a qui n'ont pas le temps. Moi, je sais que des fois, il y a des élèves, en fait, qui m'envoient des trucs et je fais... attends, faut que je passe du temps là pour répondre et tout, c'est un peu parce que ben ça nécessite de prendre un peu de temps. Puis finalement, en fait, je les recontacte pas pendant un mois. Puis finalement, ouais, finalement merde, je t'ai oublié. Et je suis désolée. Et voilà. D'où l'intérêt en fait d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui sont proches, d'avoir. Ouais, moi, toi, t'as l'atelier. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans des coworking, il y a des gens qui se font des réunions récurrentes dans des cafés ou autres. Il y avait des groupes internet. Art and Drink là avec Tony Sandoval, Christine Deschamps et tout ça. Là, ils faisaient un peu ça. J'en ai fait quelques-uns. Et c'est hyper important en fait justement d'avoir des regards un peu nouveaux. Et des regards avisés aussi, en fait, c'est hyper important pour évoluer. En plus, c'est c'est quand tu arrives à trouver des gens qui sont dans le même genre d'industrie que toi, dans le même genre de besoins ou autre, c'est pratique parce que du coup, vous allez échanger pas juste sur des banalités de la vie, c'est compliqué. Puis en plus, les remarques, elles seront vraiment... pertinentes. C'est ça, en fait. Sera vraiment calé, en fait, sur le sur bon le truc. La bonne, tu vas mettre le doigt, en fait, vraiment sur une problématique, en fait, où c'est pas juste... Je trouve ton dessin, il est beau, je trouve qu'il est moche, je trouve qu'il est trop vert, enfin, c'est... Donc voilà. Est-ce que justement ce fait de prendre la critique, d'utiliser la critique constructive ou de la donner d'ailleurs, est-ce que c'est un truc qui vient naturellement? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est ce que tu as eu à l'école, dans les différents boulots, justement plus facilement dans ton atelier? Est-ce que c'est... Alors, moi j'ai toujours demandé des critiques parce que j'ai jamais, pour dire autant que toujours, eu confiance en moi, du coup. J'aimais en fait ce que je faisais, mais je savais que c'était de la merde, enfin qu'il fallait travailler en fait, en tout cas, du coup. C'est vrai que même mes profs, des fois, les naïs, il y en avait, des fois, je leur disais, mais pourquoi tu m'as donné cette note? Tu veux que je te la baisse? Non, mais je veux dire. Voilà quoi, c'est ça. Des fois, c'est vrai que je me suis trouvée un peu en décalage où j'étais genre en initiation, parce que j'avais pas assez de sous, parce que je sais plus trop quoi, enfin, il y avait un petit problème. Et avec d'autres gens qui étaient vraiment, vraiment néophytes. J'ai un peu. Petit mal de goût. Et du coup, ils ne savaient pas comment me noter, en fait. C'était nul. Mais du coup, j'ai toujours demandé, en fait, toujours la critique, en fait. Et du coup, à chaque fois, à chaque étape de ma vie, je suis toujours hyper ouverte à la critique. Être capable, justement, de l'entendre et de travailler autour, quoi. Parce que c'est... C'est obligé, parce que, en fait, tu... t'évolues en fait avec la critique. Tu peux pas rester juste sur tes acquis, que des fois t'es pas très sûr d'avoir acquis. En plus, c'est peut-être que des fois sur un dessin c'est un coup de chance en fait, tu sais pas, ou un coup de génie, peu importe en fait, je sais pas. C'est quand tu vois en fait tes dessins que le style se tient, que l'anatomie se tient, qu'il y a une harmonie. Ouais, c'est ça. Ou même en regardant, en fait, je sais pas, tes 5 derniers dessins, tu te dis, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a encore des trucs qui vont pas? Est-ce que... quelle cohérence tu arrives à donner à ça? Moi, je sais même pas si j'ai un style, en fait. Je sais même pas si... on voit mes dessins, on se dit... c'est moi qui les ai faits, en fait. J'en sais rien du tout, je sais pas. En fait, je sais que je dessine des trucs que j'aime bien, mais je sais même pas si j'ai un style, en fait. Je suis pas au courant de ça, en fait. Donc, voilà, c'est en voyant ça. Donc, il faut vraiment tout le temps rester ouvert à la critique. Et ce qui est cool, c'est de critiquer soi-même aussi, en fait, d'autres gens. D'autres personnes, d'autres artistes, qui sont ouverts à la critique aussi. Parce que si vous êtes pas ouverts, du coup, ça marche pas, en fait, ça fait un mur, et puis après tu vas te faire insulter, et puis voilà, donc faut sentir ça aussi, il y a des gens qui sont pas du tout ouverts à la critique, il faut sentir ça aussi, en fait, voilà, et du coup ça permet d'échanger, ou d'avoir des questionnements qui évoluent, et qui font que t'évolues, en fait, un petit peu ta façon de voir, ta façon de faire et tout ça, en fait, et puis voilà, puis t'évolues tout court, en fait. T'évolues tout court, et si t'es capable justement de prendre ces critiques, de prendre ces infos-là, ça veut dire que t'es aussi capable
d'écouter. Ouais, c'est ça. Que ce soit autour, ouais. Et que c'est... Ouais, faut écouter, ouais. Pour être capable de changer, il y a effectivement ça. Ouais, c'est ça, oui, faut écouter, faut pas se dire... Ok, c'est bon, j'ai réussi, voilà, j'ai un travail, j'en vis tous les jours, ok, peinard et tout, on arrête, quoi. Non, c'est continue, écoute, observe. Être capable de se remettre en question. Ah ouais, faut vraiment... pas à tout prix se remettre en question, il y a une certaine, un certain dosage, aussi, en tout cas, de remise en question. Faut pas non plus, en fait, se dire, il y a trop... j'ai eu trop de critiques, je vais arrêter le dessin. Pas faire ça, en fait. Il faut pas faire ça, il faut continuer, mais écouter les critiques. Mais du coup, après, il faut faire le tri aussi, ouais. En fait, dans les critiques. Si jamais, en fait, il y a des choses pour vous, en fait, non, en fait, ça va. C'est soit parce que, du coup, vous avez pas encore ce recul-là, soit où vraiment ça va aussi, mais il faut l'accepter, c'est pas grave, en fait. Question récurrente et qui est en train d'arriver là maintenant. Salut, question récurrente. Pour arriver à ce niveau de combien de dessins par jour? Comment on fait pour avoir ce niveau? Donc voilà, combien de dessins et comment on fait? Je sais pas quel est mon niveau, en fait. Quel est ton niveau? Visiblement, les gens sont émus et trouvent que c'est cool ce que tu fais. Donc, ok, d'accord. Ça doit être ça, le niveau. Alors, en tout cas, un niveau pour réussir à en vivre, je sais pas. Moi, je crois que c'est dessiner tous les jours. Enfin, je sais pas, c'est comme j'explique souvent, c'est... comment ça s'appelle, c'est un sportif, en fait, il veut faire un marathon, il va pas faire un marathon du jour au lendemain, il va se préparer, mais en fait c'est différents trucs, c'est il va faire attention à son alimentation, il va faire attention, en fait, quand il va s'étirer, il va entraîner, en fait, tout son corps, donc il va faire différents sports, je sais pas, il va faire des squats, il va faire un peu d'haltère, il va faire un peu de, voilà, il va faire différents trucs. Et ben, je pense que l'illustrateur, le dessinateur et tout ça, c'est aussi ça. Je pense qu'il faut qu'il fasse du sport aussi, c'est important, parce qu'on ne se bouge pas trop le cul, en fait, finalement, derrière une chaise. Je commence à le sentir. Il faut faire attention à son alimentation aussi, parce que si tu es fatigué, du coup, tu ne peux pas dessiner. Il faut faire attention à son sommeil, il faut arrêter de faire des nuits blanches. En tout cas, trouver, en fait, des techniques pour aller plus vite et pour faire moins de nuits blanches aussi, en fait, c'est bien. Mais je pense qu'avant tout, en fait, c'est d'être curieux, de dessiner tout ce que tu vois, un peu. Mais il faut que tu en aies envie aussi, en fait. Moi, je sais pas, moi, des fois, je le pense pas. Des fois, je suis là, devant mon ordi, où je regarde un truc et tout, où je fais rien. Puis, en fait, j'ai toujours un tas de feuilles, en fait, devant moi. Et puis, des fois, je sais pas, même devant Netflix, je regarde un truc. Et puis, des fois, je crée, en fait, un petit truc. Voilà, je me dis, ah tiens, j'ai bien aimé la lumière, sa tête, le profil ou le machin, je le dessine. Des fois, je me remémorise, en fait, des trucs que j'ai vus, en fait, dans la journée, ou la veille, ou même dans mes rêves, pourquoi pas. Je vais le dessiner, en fait, un petit peu, mais machinalement, comme ça, en fait. C'est comme quand vous dessinez, en fait, quand vous êtes au téléphone ou... Ça fait partie d'un process permanent. Il y a toujours un truc en tâche de fond autour du dessin. Il y a toujours un lien. C'est une sorte d'habitude, en fait. Je veux dire, quand t'es habitué, en fait, à faire quelque chose, tu le fais naturellement. Tu penses pas qu'il faut le faire. Après, moi, je pense, dans les trucs qu'il faut que je fasse, je m'entraîne à faire un peu plus de speed painting, histoire d'aller le plus vite possible. Parce que souvent, on a des clients qui veulent, par exemple, ne serait-ce que pour ce boulot-là, je ne sais plus si j'ai mis une vieille couverture, non, je ne l'ai pas, je crois que je dois l'avoir là, qui veulent avoir un visuel le plus proche du truc final, en fait. Et du coup... l'entraînement, ça va être de réussir à faire en très peu de temps quelque chose, en fait, qui ressemble à presque le truc final, mais c'est pas le truc final, en fait. C'est bien, parce que justement, ton histoire de speed painting, ça répond à une question que je t'ai posée là. Il faut, en fait, avoir une grande maîtrise de Photoshop pour faire des belles réalisations comme toi. Non. C'est pas forcément. Si tu peux être hyper bon, en fait, à l'aquarelle, ou tu peux être hyper bon, en fait, à la peinture, à l'acrylique, ou à la craie aussi. La craie, les pastels sèches, c'est vraiment... Je sais pas si on dit sèche ou sec. On dit pastel. Des pastels qui sont pas grasses, en tout cas, mais même les grasses. On a des résultats assez rapides, en fait,
Ça peut être n'importe quel médium que tu veux, tant que tu te sens à l'aise avec. Moi, Photoshop, je me sens à l'aise avec. Le stylo bille, je me sens à l'aise avec. Le feutre un peu à l'alcool, mélangé au stylo bille, mélangé au crayon de couleur, je me sens hyper à l'aise avec, en fait. Par contre, l'huile, bah, en fait, j'en ai jamais fait. D'accord. Voilà, voilà. Donc, je suis pas du tout à l'aise avec. Mais j'ai toujours voulu essayer, mais j'en ai jamais fait. L'aquarelle, je suis pas spécialement hyper à l'aise avec. En fait, c'est pas mon premier réflexe. Et puis le crayon, je sais pas. Enfin, l'ancrage, l'ancrage par exemple. Type BD Je suis une merde. Je suis pas du tout. Jamais été. J'ai essayé. Hein. Ouais. J'ai essayé de faire des jolis traits. Je me suis pris la tête à faire des jolis traits, surtout sur Photoshop quand t'as pas le truc là qui corrige ton trait et tout. En fait. L'outil de lissage. Ouais, voilà l'outil de lissage que maintenant on a. Est-ce que tout le monde a vu arriver l'outil de lissage dans Photoshop? Vous l'avez vu l'outil de lissage arriver? Parce que ça, c'est quand même vachement cool. Ah, c'est oh, mais t'as dit donc, t'as un Photoshop ouvert. J'ai un Photoshop ouvert. On l'avait pas encore ouvert. Ah, putain, je suis pas. Je suis calibré sur. Je suis pas à 100%. C'est con. Ils sont pas très utiles, ces menus. Ouais, c'est ça. Attends, je vais cacher. Tu vas cacher ton personnage? Je vais cacher mon personnage, comme ça. Et en fait, ouais, l'outil de lissage, maintenant, t'as un truc. Attends, je vais prendre un truc plutôt clair, là. Bah, ici. Vous voyez, vous avez le truc lissage. Si jamais vous ne l'avez pas, en fait, ben vous allez là dans les paramètres de forme, puis vous cliquez sur lissage, là. Je fais le petit tuto Adobe. Et du coup, ben, quand tu ne fais pas de lissage, en fait, bon, voilà, ça fait des trucs comme ça. Ouais, chaque tremblement de la main va se ressentir. Voilà. Bon, quand tu le mets à fond, alors mais attention, ça va ramer. Hein, ouais, parce qu'il va essayer en fait de deviner. Vous voyez, voilà. Ça va, mais par contre la courbe est lisse. Ça va. La courbe, elle est plutôt assez stylée. Donc après moi des fois je l'utilise où je vais le mettre à, je sais pas, à 20. Ouais, entre 15 et 20. Donc je garde en fait toujours un peu la maîtrise de mon trait. Hein, voilà, j'apprends des fois à mes étudiants pour faire un joli trait, tu fais un point là, et puis t'essayes de dire à ton cerveau qu'il faut faire en fait ce mouvement en fait comme ça. Des fois, on va à des dessinateurs de BD souvent en dédicace, où tu les vois en train de dessiner, puis ils font quelques à-coups d'abord en fait avec leurs mains, pour dire à leur cerveau, ok, c'est là que ça va je vais aller là, quoi. Bon, là, je me suis un peu planté, mais là, c'est bon, là, sur le deuxième coup, je l'ai eu, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment l'idée, quoi. Voilà, toi, c'est un outil dont tu sers, le lissage, ou tu as plutôt tendance à recommencer? Non, pas trop. En fait, je fais surtout de la peinture, hein, comme on voit. Ouais. Je fais pas trop, en fait, de contours. D'où le fait que tu sois pas trop dans l'ancrage. Ouais, non, je suis pas trop dans l'ancrage. Mais après, j'aimerais bien, comme j'ai des BD, mais après, moi, j'aime bien, par exemple, Canepa, qui fait tout, en fait, au crayon de papier, quoi, en fait. Tu vois, ça garde un grain et tout ça. Bah, moi ça me va en fait. Maintenant on n'est plus obligé d'avoir des traits super beaux et tout ça. Donc, enfin, je sais pas s'il y a une obligation sur ça, mais c'est vrai qu'il y avait un académisme du dessin. Il y avait une espèce d'académisme en fait avant qui était faut que tu fasses un super beau trait. Alors moi j'étais là en train de zoomer en fait, puissance 1000 en fait. Putain, tu vas me le faire ce trait et tout. Pour ceux que ça branche, effectivement, donc le lissage il peut aller de 0 à 100. Si on est à 0. Je vais le remettre à 0. Ouais, remets-le à 0. Si on est à 0, effectivement, le moindre bout de mouvement va se ressentir. Si je le mets à 100, là, par contre, je vais avoir carrément des courbes lisses. Et alors, ce que je me suis rajouté comme option, parce que j'aime bien aussi, on a le mode ficelle tirée. Celui-là, il est assez rigolo. Alors, quand tu l'as pas, en fait, tu dessines et finalement, il suit avec toi. Donc, ouais. Même si je vais doucement, finalement, j'arrive à avoir un trait vraiment cool à utiliser. Et par contre, si j'utilise le mode ficelle tirée, c'est comme si on avait vraiment le crayon qui était posé derrière un fil. Et tant que je m'arrête pas, en fait, je vais avoir vraiment le truc qui va être hyper clean. Ouais. C'est un peu un truc qu'on peut trouver un peu sur ZBrush, je crois, aussi. Et en fait, il y avait un add-on qu'on mettait à l'époque quand il n'y avait pas le lissage, c'était Lazy Nezumi. Ouais, Lazy Nezumi existe toujours et il est vachement utilisé, notamment pour la grille de perte. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça super, super efficace. C'est assez cool. J'ai essayé de l'utiliser, en fait, un petit peu, mais en fait, je suis tellement habituée, en fait, Photoshop, en fait, que du coup, dès qu'il y a un nouveau truc qui est pas Photoshop, je sais pas pourquoi, je suis peut-être trop corpo, hein, je sais pas. Bravo, bienvenue. Merci. C'est pas pour ça que Adobe a choisi de pour la pizza. Non, c'est pour la pizza.
Donc voilà, ouais, je suis très très peinture et tout ça en fait. Donc sur Stylus là, c'est laquelle c'est là? C'est quoi? C'est tous tes différents calques, les étapes et tout ça, c'est quoi? Ouais, ouais. Alors il y a pas mal de trucs, mais du coup je crois que j'ai un vieux fichier. Ouais, parce que en fait je me dis on sait jamais. Ils vont me dire ouais finalement j'aimais bien l'autre version. Après j'aimais bien l'autre. Non j'aimais bien en fait le petit poil là qui dépasse et tout. Enfin donc je garde et tout ça un peu. Après je peux toujours faire des trucs d'historique, des nouvelles versions. Des versions des compos de calque. Ouais des compos. De... Alors ça compos de calque. Alexis m'avait montré. Stéphane me l'a montré. Alexis je sais qu'il travaille avec ça. Et après j'ai oublié. En fait, donc... c'est pas grave. Donc, je sais pas, j'ai pas voulu retenir. En fait. Ouais, tu veux faire? Non, je veux juste faire un truc avant que tu te lances. En fait, j'ai peur de tout perdre. Parce que tu vas trop regretter au niveau de pas faire de compo de calque. C'est que ça, c'est ta version finale. Ouais. Donc, hop, tu l'enregistres, tu l'appelles finale. Ouais, enfin, finale, je veux dire, c'est celle qui est en cours. C'est la version du moment. C'était la dernière. Ce qui fait que maintenant, si jamais tu dis, bah tiens, finalement, je vais enlever, tu vois, son bras ici, tel calque, tel autre. Et tu te dis, ah non, en fait, je vais reprendre la version finale. Ouais, ça te remet en fait sur le. Ouais, c'est cool. Ça va te permettre de savoir exactement cool, où tu trouves. Cool, on fait des tutos Photoshop. Ouais, 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 non, mais ça, attends, il faut le temps. Pas tout le temps, mais un peu. Donc, ouais, du coup, là, sur Stylus, ouais, c'est un truc pour Metal Adventure, jeu de rôle encore. C'est pour faire un coffret. Et du coup, on voulait en fait Dolores, la pirate intrépide. Donc je suis en train de faire des tests. On avait vu sur mon Instagram en fait où j'ai posé des Instagram. Quelques visuels en fait. Au tout début j'ai commencé en fait un peu par ça. Donc c'est quelque chose de très brouillon, d'où les speed painting et tout en fait. Hein. Vous voyez que là c'est vraiment ça va à l'essentiel. J'ai fait une bouche, un nez. Non même pas. J'ai un truc essentiel encore plus à l'essentiel que l'essentiel en fait. Mm-hmm. Ouais. Je crois que je l'ai remise là-haut, en fait, histoire de la retrouver. Ouais, je l'ai mise là. Ouais, j'avais commencé comme ça, en fait. Où j'avais fait cette madame, en fait, ici, comme ça. Ouais. Donc voilà, donc j'avais commencé, on m'a dit, bon, bah voilà, Dolores. Mais Dolores, je ne la connaissais pas trop encore, donc j'ai fait... Je sais pas, la pose, elle était pas folle et toutes ces non plus, quoi. Parce que je la connaissais pas, en fait, Dolores. Je voyais que c'était, oui, c'est une pirate, ok, bon, ouais, elle a une pose et tout, ok, mais bon. Puis après, j'en ai appris un peu plus sur Dolores. Il faut qu'elle soit un peu intrépide, un peu méchante. Tout le monde lui obéit, c'est une capitaine et tout ça, donc voilà. Et du coup, bah, petit à petit, en fait, hein, j'ai avancé. On m'a dit, bah non, on veut qu'elle ait une veste, on veut qu'elle ait un truc là sur le côté, on veut qu'elle ait un sabre, on veut qu'elle ait un flingue dans la ceinture, donc etc. Et du coup, tu fais progresser. Ouais, Et c'était un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure sur tes personnages du chaman et du tigre et autres, quand il y a une histoire autour. Ouais, c'est ça, ouais. T'arrives à impliquer un petit peu plus, à comprendre, à construire à partir de ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, je l'ai fait évoluer un peu plus comme ça, mais là, elle est toujours un peu noire, là, les couleurs n'étaient pas cool, la ceinture, ça ne retournait pas très bien, le bras non plus, après, il voulait d'autres trucs. Donc, je suis pas une bête, en fait, en anatomie. Après, par contre, j'ai toujours des bouquins, en fait, un peu autour de moi et tout ça, en fait, donc j'essaye de poser aussi, en fait. Et c'est vrai que des fois, je corrige en fait mon anatomie, en fait, quand je suis en train d'avancer. Des fois, mon œil en fait s'habitue en fait à ce que je suis en train de faire. Puis après, se dit, il y a un truc qui cloche là. Donc, faut que je le répare et tout. Donc voilà. Et donc ouais, ça évolue et tout. Après, on rajoute des trucs, des vaisseaux, des machins. Et puis après, on valide par l'auteur, l'éditeur. Et c'est toujours hyper intéressant parce que du coup, c'est pas tu fais ton dessin en fait toute seule comme ça en fait de ton côté, c'est que t'as des avis. Alors des fois, c'est pas des avis tout le temps pertinents, c'est juste des fois des petits caprices, des petits ça arrive. Hein, il y a des auteurs et je voulais vraiment en fait un truc qui dépasse, je sais pas, des boucles d'oreilles en forme de bisounours, ce que tu veux, des trucs qui n'ont pas de sens en fait des fois et du coup bah tu le fais en fait, tu le fais puis tu lui dis regarde ça marche pas
Voilà. Mais il faut quand même, au moins tu sais pourquoi. Parce qu'en fait, des fois, il y en a qui n'arrivent pas à se projeter et tout ça. Et l'idée, en fait, c'est de dessiner le plus vite possible pour avoir un rendu le plus proche possible, pour éliminer, en fait, aussi certains trucs. Et puis pour mettre en avant, en fait, ce qui marche vraiment, du coup. Donc pour ce boulot, ouais, c'était un peu ça. Pour le boulot d'Aztec, aussi, là, que je montrais, en fait, tout à l'heure, c'est le boulot, en fait, tout... Putain, je vais le trouver, oui. C'est le boulot où je me suis plus éclatée, en fait. C'est, vraiment, c'est genre 100%, 1000% de plaisir. J'ai adoré, parce que là, en fait, Aztec, on m'a juste dit, voilà, c'est un jeu de bluff, avec des cartes, avec des gemmes, en fait, à récupérer, tout ça... par contre, bon, bah, le thème c'est les Aztèques, mais par contre, on n'a pas d'histoire. Et ben bah, là, j'ai inventé une histoire. Donc, je suis allée chercher un petit peu, en fait, les dieux aztèques et tout, qui c'était, tout ça, un peu leurs histoires, d'histoires de fous et tout, en fait. Oui, voilà, les trucs comme ça. Et j'essaye de pas trop regarder non plus trop de cités d'or pour pas. Faut prendre des inspirations, faut pas recopier, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est avoir des infos, c'est aller jusqu'au bout, en fait, de l'information. Par contre, sur les trucs, en fait, qui sont inventés, c'est une référence, en fait, à côté. Donc, tu as un peu de connaissance sur ce qui a été fait et du coup, bah, qu'il ne faut pas forcément faire parce que c'est déjà fait, en fait. Et là, ça, en fait, moi, j'adore les Goonies. Ouais. J'adore ça, en fait, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et bah, j'aime bien Stranger Things aussi et tout ça, comme c'était un petit peu dans l'air du temps. Je me suis dit, bah, tiens, si je mixais en fait un peu les Goonies, Stranger Things, accessoirement, en fait, pour les gens qui vivent plutôt Stranger Things en ce moment. C'est plus la même génération. Mais moi, c'est plus Goonies, hein, pour le coup, en fait, là, non, dans l'idée. On sent que la génération des gens qui ont vu les Goonies quand ils étaient gamins, ils ont maintenant un peu les thunes pour pouvoir financer les films. C'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, je fais bah ok, puis je vais approfondir un peu le sujet des Aztèques et tout. Moi, j'adore ça. Donc, de voir les différents dieux, qu'est-ce qu'ils faisaient, pourquoi ils faisaient ça, comment ils ont évolué, machin. Et au début, j'avais fait en fait plutôt des petits croquis, de perso à la con, en fait, comme ça. Je me disais, tiens, si on inventait une histoire où c'était en fait des dieux Aztèques qui incarnaient en fait des sales gosses, en fait, et qui du coup. Comme c'est un jeu de bluff et tout, enfin voilà, il se passe des trucs, puis après je me suis dit ouais, mais je sais pas, ils dégagent pas grand chose en fait, ces gosses et tout, puis je savais pas trop en fait dans quelle année en fait j'étais, et donc j'ai continué en fait à chercher un peu, et puis finalement je me suis dit bah tiens, voilà, c'est des enfants, c'est pas forcément des sales gosses, qui sont partis en exploration pendant que ses parents en fait tu vois, il y avait plusieurs trucs pendant que leurs parents en fait étaient en train de faire des fouilles, des recherches, des trucs comme ça, et en fait ils découvrent qu'il y a un trésor et tout ça, et pour ça en fait du coup bah ils doivent essayer en fait de se bluffer en fait entre eux pour choper le plus de trésors et tout, bon, quand même des sales gosses un peu, mais sans le dire aux autres, ouais, voilà, c'est ça. Ça, ce genre de petite vignette, c'est ce que tu donnes en prod en disant je vais partir, ouais, c'est ça, ouais, ça, je dis oui, enfin ou je fais une compo en fait vite fait, hein, mais enfin c'est ultra moche en fait, mais c'est en mode ultra vite fait, histoire de dire voilà, je vais faire ça, mais je sais pas, elles étaient pas géniales en fait, ces compos, c'était un peu plat, ça manquait en fait un peu de profondeur, et des fois en fait c'est comme ça, ça arrive, au début vous allez sortir de la merde, mais c'est pas grave, faut la sortir, la merde, et puis ensuite, après, une fois que c'est fait, bah, ça débouche un petit peu en fait les artères, et j'avais dit que j'arrêtais de dire de la merde en fait, mais c'est pas facile, ouais. Et du coup, bah, t'essayes d'explorer autre chose. Donc là, c'est vraiment un croquis de ce qu'il y a le plus basique en fait au monde. Mais au moins, il y a l'intention en fait des volumes, des lumières, des valeurs, tout ça. Il y a une personne un peu exagérée. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Bien. Et puis ensuite, finalement, bah, je sais pas, j'ai fait ça. Mais vous voyez, il y a vraiment, il y a quatre coups de pinceau en fait mis comme ça. Voilà. C'est histoire de donner l'intention. Et finalement, ouais, ok, on part là-dessus, quoi. Donc après, bah, finalement, du coup, j'ai commencé à rajouter un peu des couleurs. J'ai trouvé aussi mes têtes de dieu, en fait. Là, c'est Quetzalcoatl, le serpent. Il y a Quetzalcoatl. Ils sont hyper durs à dire, en fait, les noms. Si on a un seul descendant de Mexicain dans l'assistance, ça va se faire. Je suis désolée pour déformer les noms. Je sais pas les prononcer non plus. Non, mais il faut que je les lise pour les prononcer, en fait, sinon ça va pas. Avec un petit test, un test de titre, tout ça aussi. Et dans ces cas-là, ouais, c'est toi aussi qui as fait le titre, ou Ouais, j'ai fait le titre, ouais.
j'ai fait le titre, je sais pas, je faisais l'illustration, autant faire le titre aussi. Des fois, je fais pas tout le temps le titre, en fait. Oui, hein, c'est, non, pas, parfois, c'est pas automatique. Ça fait partie de la gamme du jeu ou d'un... Là, c'est juste que je sais pas, j'étais inspirée, j'avais essayé. En fait, on avait bien aimé, en fait, quand j'avais fait ça. C'était juste pour tester. J'avais fait un titre à la con, comme ça, en fait, pour me dire, ok, on va tester. Histoire de le placer. Mais j'étais inspirée, en fait, sur le coup. Des fois, je suis pas inspirée. En typo, je suis vraiment très nulle. Et voilà, du coup, après, bah, j'ai fait cette couverture. Les enfants, en fait, ici, avant, donc on a des cartes qui sont ici. Et du coup, bah, je les ai fait, en fait, aussi à part, hein, bien sûr. On leur a donné, je leur ai donné des petits noms. J'ai choisi les noms aussi, en fait. Voilà. J'ai voulu faire des jumelles, puisqu'il n'y a jamais de jumelles, en fait. J'ai aucun rapport, j'ai pas de jumeaux dans ma famille, mais enfin, aucun lien, c'est ça. voilà, elle a bien marché. Janice, puisque j'adore Janice Joplin aussi. Voilà, petit truc. J'avais mis un Y au début pour Yukio, mais du coup, si on mettait le M pour Matago, on aime bien les trucs corpo et tout. Voilà. Donc j'ai mis un M. C'est pareil, ça fait Michael Jackson, que j'aime bien aussi. Michael Joplin. Michael Joplin. Donc là, on voit tous les enfants, en fait, là, comme ça. Et en fait, je crois que j'avais gardé des croquis, ouais, sauf que c'était sur Photoshop, du coup. Et du coup, eux, je les ai commencés, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, au trait. contrairement à ce qu'on pense. Je dessine jamais au trait, en fait. Ouais, et là, je sais pas, je me suis dit, allez, vas-y, ça reçoit un peu les doigts et tout. Et en fait, j'ai pas un trait. Alors, je fais encore plus dégueulasse avant, en fait. Hein, d'où le fameux Y. C'est ça. Je fais encore plus dégueulasse, en fait, hein, mon trait et tout ça avant, sauf que là, j'ai supprimé, en fait, les calques. Mais je retrouverai certainement sur d'autres vieux dessins. Je montrerai ça, en fait, après. En fait, c'est en voyant les boulots, en fait, de Marco Durlevich et Gérard Parel, tout ça, qui font partie de Six More Vodka. D'accord. Où j'ai un peu décomplexé, en fait, du trait, parce que je me disais, ouais, si tu dessines au trait, faut que ce soit propre, machin. Non, en fait, on s'en fout, en fait. Et du coup, fais ton bonhomme. Donc voilà, j'ai fait mon bonhomme, comme ça. Puis après, tu mets un petit peu... tu mets un petit peu de valeur, tu réaffirmes en fait un petit peu tes traits, donc ce que j'ai fait, voilà, pour me dire, ok, là j'ai plutôt en fait cette matière-là, là j'ai plutôt des baskets et tout, c'est comme ça, donc référence sous les yeux, à l'appui, quand même, aussi, hein, d'accord. Pour t'assurer de pas faire n'importe quoi. Bah ouais, enfin je veux dire, je connais pas trop en fait ces baskets, j'en ai une idée en fait vague, mais comme j'ai jamais dessiné tout le temps, toute ma vie, tous les jours, des baskets. C'est ça, t'es pas dessinateur, je suis pas dessinatrice de baskets, donc du coup je suis allée chercher des références. En fait, quand même, et puis ensuite, après, hop, je pose une couleur de base en fait, comme ça. Et puis, comment tu détermines la gamme? Pareil par rapport à tes références, par rapport à alors, ouais, par rapport à des références en fait, où je trouve bah, d'habits, voilà, des années 80, fin 80, début 90, tout ça. Après, j'avoue, des fois, c'est complètement au pif. Voilà. Et ça marche, tant mieux. Voilà. Après, bah, t'essayes de faire en sorte que ça contraste, en fait, quand même un peu. Voilà. Lui, en fait, j'aurais pu lui mettre un jean bleu, mais bon, enfin, bleu sur bleu, tout ça. C'est un mec, en fait, qui est plutôt un peu effacé. Donc, c'est pas un mec, en fait, avec des couleurs vives et tout ça. Donc, d'où l'intérêt, en fait, qu'il y ait une histoire et donc une personnalité. Donc, avec sa personnalité, forcément, il va pas s'habiller, en fait... avec des chemises hawaïennes, quoi, en fait, voilà. Moi, je pense au joueur du grenier, que j'adore, aussi, en fait, j'adore ce mec. Et en plus, comme c'est des personnages qui vont être utilisés sur quelques illustrations, mais t'es pas en train d'en faire une BD, t'es pas obligé forcément de les distinguer énormément. C'est ça en fait. T'as pas une contrainte de prod, une contrainte sur les personnages. Non, plus. Puis après, fin, l'histoire, c'est moi qui l'invente, donc en fait, je fais bien ce que je veux aussi, en fait. Voilà. Après, si on me dit, attends, ces couleurs vont pas ensemble, en fait, effectivement. Oui, effectivement, peut-être que les couleurs vont pas ensemble. Et puis, dans un groupe d'amis, on a le droit de s'habiller avec des couleurs différentes. On fait ce qu'on veut, quoi, en fait. Et du coup, après, bah, voilà, je pose rapidement, en fait, une lumière. Ouais. Ça, par contre, c'est vrai que j'avais beaucoup, en fait, les travaux, là, des...
des copains là, de Six More Vodka, voilà, mais qui du coup bossent en fait un petit peu comme ça, c'était assez inspirant. C'est toujours bien de bosser en fait à côté de gens que vous aimez, si vous les avez pas en fait, je veux dire physiquement. C'est pas forcément simple. Hein. Vous avez au moins le site internet en fait physiquement à côté de vous, donc voilà. Et un jour. Mon plus grand rêve, c'est de bosser avec vous. Genre, c'est la fille, elle balance des annonces. Mais je me sortirai. J'y arriverai, en fait. Voilà. Il n'y a pas de problème, en fait, pour ça. Voilà. Donc, je ne me fais pas de soucis. Ce qui est important, en fait, ce qui est cool, c'est les aventures que tu vis, en fait. Voilà. Et je vis beaucoup d'aventures, du coup, grâce au dessin, voilà, avec ce que je fais et tout ça, en fait, c'est super cool, en fait, c'est incroyable. donc voilà, donc complexez pas trop. Si vous arrivez pas à faire exactement tout bien, ça va venir, vous inquiétez pas. Parfait. Voilà. Est-ce que vous avez les uns les autres encore une ou quelques questions pour Sabrina? Tant qu'on est là, tant qu'on est tous ensemble. Je sais pas, on a combien de temps parce que parle. Tu parles, on est cool, on est tranquille. Ça fait, d'accord. On atteint les 2 heures, Pénard. Bon. Ça va. Tout va bien. Ouais, est-ce que vous avez des questions? J'ai soif. T'as soif, hein. Alors, meniez-vous pour les questions. J'ai soif. J'aurais dû prendre ma petite bouteille. J'y ai pensé, puis j'ai oublié d'y penser après. C'est pas grave. Si vous n'avez pas de questions. On va juste aller boire, tranquille. Qui a vu les Goonies? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question, ça. C'était une question de moi, en plus. Et Mao attend un remake. Moi aussi, j'attends un remake. Je suis pas sûr de vouloir un remake. Bah, c'est vrai que ce sera pas les mêmes gosses, en fait. Quand tu vois comment ils ont dégénéré en Sam Genji et tout. Ah non. Ça va pas être possible. Ils sont morts, ils sont décédés, ils ont arrêté d'être là, ils veulent plus. En plus, il y a Alex qui est revenu, donc tout va bien. Non, ça part, le flux est correct. Après, en même temps, il y a des gens qui travaillent, en fait, en vrai, non? C'est ça. Mao demande quand est-ce qu'on goûte. Mao, on a avancé l'heure pour que tu puisses rester jusqu'au bout du live et pas que tu nous dises, ouais, je suis en train de partir, tout ça. Ouais. Non, mais si on est arrivé au bout et que vous n'avez pas forcément de questions particulières, eh bien, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis, d'avoir écouté et découvert le parcours de Sabrina. Mais j'ai pas parlé de ça. Tu veux parler des deux dernières? Alors parle des deux dernières. Pardon, vite fait. Je te grillais dessus. Des deux. Le champ de l'os ou Fallback? Fallback. Allez, Fallback. Attends, je le mets ici. Champ de l'os, on fera vite fait. Et je nous mets en petit. Ou en tout petit. Ouais, en tout petit. Mettons-nous un peu plus petit. En fait, j'ai eu, je mets l'autre, de Fallback, hein, mais en fait, il y a plusieurs images. Fallback, en fait, c'est un boulot qu'on a fait à trois, là, pour le coup. Donc, on a changé, en fait, un petit peu de niveau, du coup. On a Ali qui nous a fait de la 3D, en fait, derrière. Et puis, ensuite, après, Guillaume, en fait, qui a mis un petit peu d'ambiance de couleur, qui a repeint... qui a fait les immeubles en fait aussi, un peu de photobash, tout ça, et pas mal de dessins pour les petits robots aussi là qui sont derrière et tout. Et moi je me suis amusée en fait à faire tout le travail de texture sur le robot avec la lumière et tout ça, et le personnage en fait qui est en premier plan. Et quand tu fais des dessins en fait à trois, c'est tu vois que le dessin, on prend vraiment en fait chaque particularité de chacun en fait, et du coup on met ça en fait en commun, et après ça peut faire en fait des grosses illustrations que moi j'aurais mis certainement en fait je sais pas 2-3 bonnes semaines en fait pour faire un truc comme avant ça, avant de quoi, te caler fait, et donc c'est possible justement de travailler à plusieurs sur le même dessin? Et ben je pensais pas, mais en fait c'est hyper possible en fait. Moi tu vois la 3D, je m'en fous, tu vois, je vais faire des formes en fait un peu comme ça. Toi c'est pour porter, voilà, Ali lui sait faire, donc du coup il pose en fait ces immeubles là en fait par là. Il va faire des cadrages aussi en fait, ça nous permet en fait de nous projeter un petit peu au niveau des lumières et tout. Pareil pour ce boulot là en fait, là c'est un bust le Vesta. Du coup là en fait ce qu'on a fait, on avait déjà en fait le bust en fait en 3D. Que Enroad nous a filé en fait, et oui, parce que Fallback de Enroad, vous pouvez le choper sur Steam aussi, c'est un jeu hyper cool, une sorte de roguelike,
Vous allez kiffer, allez voir, je vais pas vous spoiler. Pareil, donc on a fait en fait d'abord des croquis en fait. Je fais rapidement parce que je veux pas non plus empiéter en fait, être hyper longue, tout ça. Enfin voilà. C'est vrai, vous êtes content, vous êtes toujours là. Ok, c'est cool. Voilà, des petits croquis, ça se passe comme ça en fait d'abord, des petits croquis comme ça. Finalement en fait En-Road a choisi celui-là, donc on est parti en fait sur ce angle de vue là et au début j'avais fait un truc un peu nul, c'est-à-dire pour tester, pour voir un truc et tout, mais c'était vraiment très très nul hein, par contre hein, sur le coup En-Road m'a dit ça va, t'as pris tes cachets, je lui ai dit c'est juste pour tester, puis après j'avais testé en fait d'autres trucs, c'est de faire des montages en fait juste pour voir, pour avoir une validation en fait rapide en fait, et finalement ah ouais, on aime bien le côté en fait un petit peu vu de dessous, tout ça, il faut que la couronne ici en fait ressorte bien, et voilà, et finalement on est parti en fait là-dessus. Donc en fait, on a posé leur personnage ici. On a modifié un petit peu. Élément 3D. Ça c'est la 3D. Ça c'est sur Maya. C'est un rendu Arnold ou Redshift. En fait, je ne sais plus s'il l'avait fait. Mais Arnold, c'est très bien aussi. Et là, Ali a fait rapidement en fait des murs. Donc voilà, il a fait des blocs et tout avec des portes et tout. Il fait ça très très vite. Il m'a montré sa capacité accrue à faire des tubes en fait. Ouais, c'est impressionnant toi que tu sais pas faire en fait. Donc c'est bien. Et donc moi j'ai travaillé ensuite après là-dessus pour faire d'abord en fait le premier, qui est un peu caché en fait, parce que dans le jeu on révèle pas tout de suite en fait le personnage, juste on voit, on esquisse en fait un petit peu, voilà, là j'ai fait un jeu de lumière, ça ressorte bien, j'ai grossi un petit peu les aérations, texturé en fait tout ça. Donc en fait j'ai pris en fait des custom brush en fait un peu texturés. J'ai rajouté encore de la texture un peu rouille en fait dessus. Là pareil en fait sur les tuyaux. Après j'ai fait un masque de fusion où j'ai gommé en fait, j'ai mis des petits traits en fait histoire de rythmer en fait un petit peu tout ça. On voit un peu les, il y a du photobage de rouille et tout, c'est un peu de murs un peu décrépits. Voilà, j'ai rajouté des tuyaux que j'ai un peu texturés aussi, des petites lumières, la petite ambiance. J'ai fait pas mal de rochers, j'ai fait du montage de rochers, j'ai mélangé avec d'autres rochers. Et il y a un outil que j'utilise beaucoup, il faudrait qu'on vous le montre en live un peu en fait, mais c'est cet outil en fait qui est là, c'est option de fusion. En fait c'est ça ici, là par exemple vous allez voir sur mon perso Yukio. Là je l'ai pas fait, j'ai laissé la lumière comme ça parce que ça m'allait bien, mais des fois en fait quand je veux en fait par exemple que mes trucs foncés de mon calque qui est en dessous en fait passent par dessus la lumière, que toute la lumière ne noie pas en fait toutes mes informations en fait de noir, et ben du coup en fait je vais utiliser ça, et vous voyez ici en fait il y a mes traits en fait les plus noirs qui vont ressortir sur mon blanc. Par contre, si je veux pas en fait que ce soit trop brutal, trop comme net, ça, hein. Trop net, je vais smoother en fait un peu en appuyant sur Alt pour séparer les deux petites flèches. Et voilà, et comme ça, je vais atténuer en fait un petit peu l'effet. Et ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup en fait dans mon travail aussi. De gérer la fusion de cette manière-là. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour En-Road. Et ça, c'était des personnages aussi. C'est un espèce de conseil, le conseil de la rébellion en fait qui essayent de s'enfuir un peu de leur prison souterraine parce qu'ils sont ils sont emprisonnés en fait par les robots sous terre, et du coup bah ils essayent en fait de s'enfuir, donc du coup bah le jeu porte en fait un peu sur cette thématique. Et du coup il y a l'image là qui circule en fait beaucoup en fait pour promouvoir le jeu en fait, c'est celle-là. Il y a une image en fait qui est comme ça, et puis il y en a une autre en fait où c'est donc là il est sous terre, et c'est un peu Vesta Corporation voilà qui contrôle un peu tout ça. Je suis beaucoup influencée surtout sur cette image sur du Final Fantasy VII. Ça ne vous aura pas échappé que j'adore, j'attends la sortie bientôt. Ouais, mais en mars. L'épée est facilement moitié moins longue qu'une vraie épée finalement. C'est vrai. Non mais là c'est parce qu'elle est plutôt courte en fait aussi l'épée, mais
Mais du coup, en tout cas pour tout ce qui est ambiance colorée, tout ça, et on a la version jour aussi, où les mecs ont réussi à sortir à la surface. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté fallback. Et voilà, puis on peut passer rapidement en musique sur les champs de l'os. Tout le monde chante. Et tout le monde chante. Ah, je sais pas pourquoi ça m'a, ça m'a chargé. Au fur et à mesure, en fait. La dernière image charge en premier, au cas où tu voudrais voir la dernière. Ouais, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais ouais, cette image-là, en fait, voilà, pour des petits vikings, moi j'aime bien faire les vikings, c'est cool. Je zoome un peu. Un peu pareil, en fait, qu'Aztec, je suis partie un peu au trait, tout ça, j'ai géré un peu mes valeurs. J'ai géré mes valeurs en fait par couleur aussi, donc c'est-à-dire que l'écharpe en fait est un tout petit peu plus claire en fait que tout ce qui est là. Ça j'ai vraiment pris en fait un peu le pli en observant Nox Gunogor, qui essayait en fait justement de pour travailler en fait plus vite, de bien travailler en fait ses valeurs, et ensuite après si son client lui demande en fait de changer de couleur, ça change pas ses valeurs en fait du coup. Donc c'était une bonne technique en fait, enfin de travailler en fait comme ça, pour le côté peinture aussi, moi que j'adore en fait, qui est un peu plus clean que d'habitude, mais ça marche bien. Ça fallait les faire assez rapidement aussi, mais voilà, c'est différents groupes en fait, différents groupes de personnages d'ethnie et tout ça. Et là voilà, j'ai voulu faire un truc un petit peu aquarelle en fait pour une blessée, voilà, bah le en train de mourir un petit peu, mais bon, paisiblement, quoi, tu vois, voilà, c'est bien battu. Elle est pas bien, quand même, hein, mais... mais voilà, je voulais pas faire un truc sanglant et tout. Elle essaye de mourir dans la Marion Cotillard ou pas, à ce moment-là? Alors non, elle... Je ne prononcerai pas sur ce sujet, parce que c'est de la... Moi, je dis que c'est de la faute du réalisateur, il aurait pas dû, aussi. Voilà, moi, je dis ça, voilà. Pauvre Marion. Et du coup voilà, bah, petite érudit aussi, où là par contre photo bâche à fond en fait de livres, faut pas déconner, j'avais pas le temps. Et par contre j'ai quand même repeint sur les livres en fait. Tu l'as fait une fois que t'avais ton truc, j'ai repeint, j'ai bien refait en fait les tranches, j'ai fait tous les petits machins histoire de faire différentes collections et tout ça. Pareil, hein, globe, je l'ai pas dessiné. J'ai cherché des piles de livres sur Google que j'ai posé là, que j'ai repeint en fait un peu, j'ai changé un peu de couleur, j'ai remis en fait d'autres piles de livres, j'ai dédicacé un livre aussi. Donc sur la couverture directement. Ouais, t'as vu, moi je suis comme ça. Et t'as essayé de dédicacer aussi des boîtes de jeux en fait, des boîtes de jeux de société, c'est hyper chaud parce que t'as les contours en fait, donc t'es un petit peu, c'est un peu chiant quoi. Voilà, ça aussi dans le côté en fait très très peinture en fait que j'adore, où je m'éclate et tout en fait avec voilà, c'est un travail qui me plaît beaucoup. Là c'est un tout petit peu plus un peu plus propre aussi, mais là je l'ai fait assez vite celui-là, où en fait j'avais surtout que des visages à faire en fait, c'était assez cool. Et après là c'était que des aplats partout, où j'ai collé des textures. Je me suis amusée en fait avec ça, j'essaye beaucoup de techniques. Donc j'ai collé en fait des textures que j'ai faites sans le super logiciel que Adobe a, je les ai faites sur Photoshop. Voilà, et puis j'ai mis des ombres, tout ça, etc. Et bah, du coup ça marchait plutôt bien en fait, comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant, je pense que je peux vous laisser sur les champs de l'os. Oui, on n'a pas parlé de Black Sad, mais c'est pas grave. Que dire, vous y avez joué qui a joué à Black Sad? Donc, alors, on va le faire en deux temps. Qui a lu la BD Black Sad? Qui a lu la BD Black Sad? Et ensuite, qui a joué à Black Sad? Parce que c'est quand même pas exactement la même chose. C'est pas ça, c'est pas pareil. Donc, parce que tu n'es pas Garnilo. Ah bah non, je ne saurais pas vraiment prendre ce... Merci Guarnido d'avoir validé la jaquette que j'ai faite pour le jeu, parce qu'il l'a validé. Il l'a validé, il a quand même regardé. C'est marrant parce que du coup aujourd'hui je reçois la succession de Black Sad, la semaine dernière je recevais la succession de Torgal. Je suis pas la succession de Black Sad, mais... On sent qu'il y a un peu là, le passage des armes. Là. C'est bien, je me sens jeune du coup. Eh ben, si un jour après, si là je m'entraîne bien, en fait, Frédéric Vigneault, hein, pour Torgal, je suis là aussi. Hein, voilà. Hop, je crois qu'il est très content de faire le 37 et le 38. Et je sais pas si Bruno Tati, qui nous suivait tout à l'heure, est encore là.
Mais c'est aussi c'est de lui dont il parlait, tu sais, dans la session où il disait Bruno qui a colorisé, Bruno ceci, ouais, Bruno oui. cela, c'est Bruno Tati. Ouais. Un jour, peut-être. Je sais pas s'il vient ce soir. Ah, de toute façon, mon temps viendra. Ton heure viendra, oui. Ouais, mon heure viendra, mon temps viendra. Je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, en gros, c'est l'idée. Voilà, je. Bon, Blacksad, petite image et tout, comme ça. Petit Blacksad. Mais ça, c'est uniquement s'il se charge. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça se chargeait pas très vite, en fait. La fibre, ça va chez vous ou, non, comment ça se passe? Ah oui. Non, mais on... Mais en fibre, ah, c'est pas... Ah. Eh oui. Oui, c'est ça. Ça, doit, ça on est plus nombreux que chez toi. Ça doit regarder... Ouais, on est plus nombreux que chez moi, et je sais pas. C'est ça. Ouais, donc, ouais, Blacksad. Bah, là, c'était beaucoup de photobages d'immeubles, en fait. Ouais. Mais surtout, d'abord des formes. Beaucoup de formes, en fait, avec pareil des valeurs et ensuite plaquage de textures. Et des fois, j'ai fait les fenêtres aussi, voilà, hein, quand même. Et ça, c'était un truc tiré du jeu, en fait, plaqué dessus, réarrangé, redéformé. J'ai refait, en fait, le panneau et tout. Je me suis bien amusée avec ça aussi, ouais. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé celle-là aussi, ouais. Là, pour le collector. Mm-hmm. Vas-y, tu peux y arriver. Attends, regarde, il bouge pas. Ah bah, tu l'as. Vas-y, voilà. Toi, tu l'as. On va faire comme ça plus vite. Ouais. Et ça, ouais, j'étais pas, comment dire, habituée à faire des espèces de montages, en fait, un peu comme ça, un peu fondu et tout. Bon, après, j'avais pas mal de références, et puis on m'avait donné quand même, en fait, une ligne directrice. Ouais. Et du coup, c'était vraiment... j'avais commencé, j'ai plus les sketchs, en fait, les vieux sketchs. Et puis après, j'ai repris, en fait, un petit peu de leurs ressources 3D. D'accord. Ouais, pour pouvoir utiliser les éléments pouvoir, 3D du jeu. En fait, il fallait absolument que les personnages ressemblent au jeu, en fait. Mmh. Moi, j'avais un problème, c'est que je faisais trop ressembler soit à la BD, soit c'était trop réaliste. Ouais. Et du coup, il y a eu des premières versions, en fait, en tout cas pour l'autre couverture, où il était trop réaliste. Et il s'approchait pas trop, en fait, du jeu. Donc... Mmh. Et du coup, bah, à l'aide de leurs ressources et tout, j'ai recopié, j'ai ajouté, j'ai collé, l'appareil photo est pas de moi, du coup, j'ai honte. Voilà, les personnages aussi, en fait, j'ai recollé, j'ai modifié et tout ça, puis ouais, j'ai repeint, en fait. Pour donc, avoir les références. Voilà, mais après, j'avais pas beaucoup de temps, en fait, à passer non plus dessus, en fait, donc... Quand tu poses tes éléments, enfin, quand tu te sers d'une base 3D, tu fais la 3D et un rendu, et t'intègres le rendu dans Photoshop, ou tu intègres directement les éléments 3D non, dans Photoshop? Non, je fais pas de rendu, en fait. Je suis pas assez calé, en fait, sur le rendu pour en faire, en fait, donc je fais rarement, enfin je fais un petit rendu en fait de base du style avec la lumière en fait un petit peu comme j'ai fait pour la fallback en fait là je crois que j'ai un exemple en fait pour fallback ouais j'ai nommé mes personne ne le voit ouais c'est bien c'est ça est-ce que ouais par exemple ça là vous allez voir. Là, vous allez voir. Bah, du coup, en fait, là, j'avais posé les personnages un peu là autour de la table. J'avais essayé de faire des trucs avec leurs bras, en fait, histoire qu'il y ait une narration, quoi. Mm-hmm. Là, j'avais posé vite fait, en fait. Donc, ça, c'est que de la 3D. Mais sur Photoshop, en fait, bah, j'ai fait ça sur Photoshop. Puis j'ai fait les gens, en fait, derrière. Puis j'ai plaqué un décor lambda, en fait. Il n'y avait que les persos et la table, en fait, qui étaient sur Maya. Et j'avais fait un rendu avec Arnold, juste pour mes couleurs, en fait. Et après, on me disait, ouais, non, on veut un truc beaucoup plus intime et tout. Donc, bah, du coup, j'ai essayé avec des petites lampes et tout. Mais enfin, là, tu vois rien, en fait. Ouais, c'est juste, en fait, pour l'idée. Puis finalement, je suis partie en fait quand même là-dessus. Je me suis fait beaucoup mal aux yeux en fait parce que c'était hyper sombre. Mais je crois que vous devez voir ça hyper sombre en fait. Là, ouais, mais je pense que tant pis, les gens iront voir sur ton Artstation la suite. Bon, après, j'ai éclairé un peu du coup. Voilà, faire des ombres portées, de lampes à huile et tout ça en fait. Et du coup, enfin là, on voit plus de 3D en fait du tout quoi. Donc, j'ai mis des masques de peinture. J'ai inventé des masques, en fait, des fois. Des fois, j'ai fait des masques qui existent aussi, en fait. Donc, voilà. Donc, en fait, je fais très vite disparaître la 3D. Faut dire quand même, la 3D, en fait, c'était quand même ça. Les persos, en fait, dans le jeu, comme ils sont petits,
En fait, ils ne sont pas arrachés en fait, non plus sur une modélisation. Ils ont fait une modélisation aussi qui est fonctionnelle et tout ça qui marche bien. Après, ce n'était pas en fait, hyper détaillé en fait, non plus. Donc, il fallait essayer de rendre ça en fait, un petit peu plus, plus vivant. Et adapté, pour l'illustration. De toute façon, on le voyait déjà beaucoup, même dans les années 80, sur les premiers jeux 8 bits. Tu avais des illustrations dans le livret hyper détaillées, puis au final, c'était un personnage qui faisait 6 pixels. Ouais. Et il fallait imaginer que ce personnage-là, il avait toute cette vie, toute cette histoire qui pouvait être représentée dans les illustrations. Exactement, ouais. Fallait en fait un peu, je sais pas, l'humaniser, qu'il y ait un peu plus de paillettes, quoi. Plus de réalisme, en fait, en tout cas. Ouais, ça, c'était aussi des tests. C'était pas celui-là que je voulais montrer, mais je sais pas, j'ai plus le robot. Ah si, c'est lui, là, le robot un peu méchant et tout. Bah pareil, lui, par contre, on a pris en fait leur objet 3D. Ouais. Et par contre, là, il y a eu un rendu. Ali m'a fait un rendu. Le décor, c'est Guillaume qui l'a fait derrière, en fait, qui a retouché d'après les tests que j'avais fait. Et du coup, j'ai repeint en fait certains détails sur le robot, refait bien en fait la plaque qui est en bas, fait les petits yeux rigolos avec les petits effets. Un truc avec des effets de fumée aussi un peu derrière, histoire de dégager un peu la silhouette. Voilà, donc ça encore, c'est un travail à trois en fait qui marche plutôt bien, quoi. Même avec la 3D. Là, pareil, avec Guillaume, on a fait ça tous les deux aussi. Voilà, ça marche bien. C'est cool, ça. Ouais. C'est bon, j'ai fini, j'ai arrêté. De toute façon, ils sont tous partis. Regarde. Ouais, c'est ça, ils se sont dit, c'est bon, tu sais. Est-ce qu'il y a encore des surprises? Non, il n'y a plus de surprises. Merci à toutes et à tous. On a essayé de répondre à peu près toutes les questions. Si vous arrivez maintenant avec une question à laquelle on a déjà répondu au début de la session, il y a plus de 2 heures, vous aviez qu'à écouter. Vous revenez. Voilà. Allez, sur ce, merci beaucoup Sabrina, merci à tous. On se retrouve mardi, on a 2 sessions. On va faire une session justement dessin noir et blanc, un petit peu à la plume, mais en mode vecto. Donc ça, c'est cool. Entre le comics et le jeu de rôle, tu sais, les livres de base. Ouais. Alors, je me prétends pas illustrateur de livres de base. Je vais vous montrer comment je fais ça, moi, sur iPad dans Fresco. Cool. C'est bien de voir des trucs sur Fresco un peu. Ouais, je pense que ça va vous faire du bien un petit peu de temps en temps. Et puis, deuxième session où on reniera le côté précision du dessin, puisqu'on ira dans le pixel art avec Thomas Lynn. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Comment ça a déjà fini? Fallait arriver beaucoup plus tôt. Fallait prendre les notifs. Je crois que j'ai été une des plus longues en plus. Non, t'inquiète, ça va. Il y a beaucoup plus long. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Parce que j'aurais pu faire durer encore, mais on a soif là. C'est exactement ça. C'est ça. Sur ce, merci. Rendez-vous mardi 10h, mardi midi et plein d'autres moments. Au revoir. Au revoir.